Alors, Discord vocal. D'ailleurs, j'ai même pas regardé sur mon propre. Ah oui, c'est bien, tu t'es annoncé. Ah, il y a personne qui m'a dit bonjour aujourd'hui. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, Nayonet, tu es dans Direct Twitch. Oui, c'est vrai. Bonjour, bonjour. Attends, je Boyo coupe le le. boyo le. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on Est-ce t'entend. que vous me recevez? Oui, tout à Oh oui, fait. alors. Si, on t'entend très bien. Alors attends, il faut lancer Game Ranger hein, normalement. Bon, bah, je suis content, j'ai résolu l'affaire. En fait, c'était l'ancienne installation qui a un impact sur l'installation Steam au niveau de Game Ranger. Donc, c'est un peu complexe, mais j'ai compris que ça marchait. En mettant le crack, j'ai vu que ça marchait pas non plus. Du coup, voilà. T'en es Parce arrivé à que quelle là, déduction? ouais. À tâtonner, à chercher un peu. D'ailleurs, faudrait pas que je garde ça pour moi. Faudrait que je... Il y a plein de gars sur Steam qui comprennent pas pourquoi Game Ranger ne fonctionne pas. Je pourrais leur donner la solution. Ah oui, que tu fasses un billet de ouais, d'explication. Ah oui, c'est apprécié ce genre de. Le mot de passe, c'est coucou ou c'est. C'est le mot de passe. C'est le J'ai mot pas de dire autrement. passe. Et tu les connais, les mots de passe, mais je vais te le remettre en privé. Ah oui, je crois c'est. Oui, c'est. Oui, je crois savoir. Mais oui, je veux Ah, bien que tu me le. voilà, je t'ai donné le mot de Ouais, passe. merci. Et bim, il s'affiche en plein écran sur ton écran. Non, je plaisante, c'est faux. Ouais, c'est bon. Alors, ma première proposition était mauvaise et la deuxième était bonne. Je me suis souvenu en fait. Mais c'est bien, merci. C'est bien. Il continue Faut mettre donc pas un mot de contre. passe trop complexe. Voilà, ok. Bon. Alors. Bon, on va voir si ça marche, hein. On va tester un peu. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, on continue. Bah. Ouais. Oui. Tu Donc. m'étonnes. Et puis. Bonjour à tous dans le chat du sage. Bonjour, bonjour. Bonjour Bon le lundi à vous. Bon lundi de Pâques. chevalier. Et je suis prêt et vous entendez Réglisse dans le fond. Chevalier réglé. Hop. Ah bah voilà. En attente de l'autre. Voilà, il arrête de gueuler quand je mets le. Voilà. Ah, attends, alors là j'ai fait une bêtise. Non, je vais Ouais. rester là. Je vais voir si tu joues à la partie. Moi Je je vais bois voir. mon café au lait. Voyons si c'est déjà est-ce qu'on peut rentrer en contact sur le jeu? C'est ça la question. Donc j'ai installé le Gentoo, le truc qui. Enfin, il y a plein d'outils pour le faire, mais j'en ai choisi un, celui qui marche à peu près bien pour moi. Gentoo qui permet de stabiliser les images à 30 secondes par. À 30 images par seconde, pardon. Le 30 images par minute. Oui, par seconde, c'est ça? Oui, c'est par seconde. Parce que 30 images par minute, ça serait un diaporama. Donc C'est là, il faut ça. que tu bouges la souris, le sage. Comment ça? Parce Bouger que le la menu n'apparaît souris. pas. Le menu apparaîtra quand tu bougeras la souris. Oh. Alors déjà, est-ce que tu vois ma partie? Ça serait drôle que tu la voyes pas. Donc multijoueur, réseau. Multijoueur, réseau. Non, pas en ligne, réseau. Oh, Et là, pardon. normalement, tu vois ma partie. Est-ce que tu vois ma partie? Non, tu la vois pas. Ok, alors c'est que c'est pas au bon endroit. Mais attends, Je vais j'étais pas reprendre dans là. réseau. Voilà, là je Voilà, te vois. ah, ok. Ok, alors, bah j'ai quitté. Bon, bah je te laisse héberger, vas-y, fais tes propres paramètres, Alors, comme créer bon te semble. partie. J'avais quoi la partie? Déjà, on va choisir une carte. Une carte, une carte. Une carte Une carte. officielle. Je vais prendre. Moi, j'ai J'aime choisi bien, je crois. marécage. Là. Je vais prendre Air Force Général. Hop là. C'est bien, je vais me mettre en équipe 1. Donc comme d'habitude, je te protège. J'ai envie de jouer les Chinois, moi. The Chinese. Chinois avec les infanterie ou China will cavalerie? be great again. Ah, je vais essayer de faire China will l'infanterie. grow larger. Tiens, Alors, attends, tiens, est-ce que tiens, le tiens, tiens, basculement, tiens, ça tiens. marche? Lui est dans l'équipe 1, les autres sont dans l'équipe 2. Allez, ouais, c'est sympa. Bon, bah, je me suis mis au sud. Je sais plus où je me suis mis. Tu veux te mettre au nord ou au sud? Tu veux te mettre où? Choisis-toi d'abord, voilà, Enfin, tu te je me mets à côté déclares. de toi. Voilà, Que je te prends. on s'est compris. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Alors. Quand t'as tout terminé, je vais accepter. Et. Allez, super On se arme. bat contre qui? Contre. Ouais, non, ça serait bien Bah, qu'on je fasse vais contre tous les choisir. infanteries. Est-ce que tu peux mettre un G à la classique pour moi? J'ai la classique. Ouais. C'est en haut. Ouais. Super.
Et un GL à furtif en pas évident. Ce serait pas mal. Ah ouais. Un GL à furtif. Ça va être du boulot. Ouais, on va devoir. On va devoir jouer de révélation de terrain. Monsieur Nayoli, est-il prêt, s'il vous plaît? Voilà, c'est bon, j'ai mis prêt. J'ai mis accept. Mickey. Ah, ouais. Bonjour, Réglisse. On l'entend miauler. Ah, tu l'as entendu? Bonjour. Il te dit bonjour, Réglisse, le sage. Tu veux? On l'a entendu miauler, c'est mieux que ça. C'est-à-dire qu'on est ravis de l'avoir entendu miauler. Je te rappelle que t'as fait le nécessaire pour qu'on l'entende plus vraiment. Mais nous, on aime bien entendre miauler. Bon, certes, pas tout le temps. Ouais. Je te l'avouerai aussi. Pour un juste milieu. Mais. Wouah! Je me souvenais pas qu'il y avait une météo de merde. C'est une météo voilà, de merde. Voilà, j'ai pressé mes îles en dimanche par seconde. Je suis content. Je suis content. Parce que j'étais. J'espère que ça va pas déstabiliser le jeu. Je sais pas, mais. Oh non, j'ai été éjecté. Comment ça? Bah, y a une désynchronisation. J'ai été éjecté par le jeu. Bah. Ah, oh, bon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas. Je crois que c'est la stabilisation qui était pas bonne. Bah, oui. Ouais. Alors, l'image, je voudrais savoir, est-ce que tu peux, quand tu seras sur le menu, oui, cliquer sur tout la touche insertion. La touche insertion de ton clavier. Parce que. Attends, ça va revenir. C'est moche de démarrer comme ça. Ouais, c'est moche. Échec. C'est t'as le tweet, tu sais, mais mes publicités automatisées, tu vois, en énorme, vous avez échoué. Ouais. Oh ouais. Mon dieu, la mauvaise presse. Bah alors, pourquoi je reviens pas? Bah, il faut cliquer sur échappe. Ah bon? Je crois qu'il faut cliquer sur échappe, ouais. Ah non, il se passe rien. Ça fait rien? Non, non. Putain, c'est là où non, c'est un bug. Pour moi. Ah, ouais. Tu vois que j'ai bugué dans le. Ah non, ça va. Voilà, super. Ah oui, pour activer le Gain Tool. Ah oui, Gain Tool. Alors, 50 Hz, je vais faire pareil. Ouais, tu vas me copier. Je te laisse regarder. J'ai pas accès aux 50 Hz parce que toi, t'as un écran 50 Hz. Moi, je suis en 60 Hz. Est-ce que tu peux passer en. On va voir. Oh, c'est con que je puisse pas mettre 50 Hz. Pour changer le. Alors, tu descends avec la flèche, avec les touches fléchées. Tu peux pas mettre 30. Je vais mettre 30, oui. Je vais essayer 30 comme toi. Tu avais mis 30, bah oui. Je vais mettre 30, parce que je voulais m'accorder sur ta truc pour pas te faire trop de réglages. Mmh. Voilà, et ben là c'est bon, je fais insert, c'est bon. Et ben écoute, vas-y, réhéberge une partie, je te rejoins. On va tenter comme ça. J'espère que ça va marcher. C'est bizarre les fréquences qu'ils proposent. Ouais. Là c'est le nombre d'images maximum par seconde. Je pense que si on n'a pas le même nombre d'images, ça doit désynchroniser. Mmh. C'est peut-être ça qui a désynchronisé. Ouais. Peut-être, je sais pas, après, c'est un vieux jeu, hein, donc s'il marche pas en réseau. Alors, créer une partie, on recommence le bordel. Ah merde, il faut que je redémarre le. Je rejoins. Ah, il faut refaire le l'install. Ah ouais, c'est un peu chiant ça, c'est dommage qu'il ait pas une mémoire de. Une mémoire de Calibo. Je vais prendre le rouge, je vais mettre équipe 1, je vais mettre au même endroit que tout à l'heure. Mais non, mais. Je pense ouais, que des fois la sélection elle se fait pas. Mais des fois la sélection elle est décalée, c'est vrai, dans le jeu là. Ça m'arrive aussi. Décalé. Alors moi en référence, non, j'ai Patrick Bruel. Décalé. Ah, je connais pas cette chanson. Décalé-moi. Accepté. Acceptar. Et dans le répertoire de Patrick Bruel, moi je vous rappelle ma favorite de chanson qui est peu connue, c'est La fille de l'aéroport. J'aime beaucoup cette chanson. Let's build. Good area. Fait, je parle en anglais pendant tout le. Je répétais tout ce que disaient les unités. Ready for construction? Let's get to work. Enfin, le deuxième, je fais une voie d'un. Right on the scarf building. Alors, je vais faire un petit. Est-ce que je fais ça? Ouais, je vais faire ça. Let's get to work. Une grue de
Laying a foundation. And a job. Plaque, damn. Ça y est, je suis bien. Oh non, j'étais encore été éjecté. Oui, c'est pas normal ton truc. C'est d'autant plus étrange que j'arrive à t'avoir peut-être plus que l'autre. Amélioration achevée. C'est vraiment bizarre ton histoire. Bon. Attends, qu'est-ce qu'il y aurait qui merderait? Je vais essayer de faire un truc. Je vais changer d'exécutable parce que ça. Je vais quitter, je vais revenir. Je vais faire le truc. Ah d'accord, screenshot. F1, ah oui, c'est la qualité du. Alors, on s'en fout, on y va pas, on a casse caché sous les draps. Voilà, attends, je me barre du. Je m'attends que tu me réinvites sous Game Ranger. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, exactement. Alors, game, voilà, date. C'est dommage que ce soit aussi capricieux, mais. Bah, le multi, c'est. Ouais, c'est quand même. Ça date quand même, quoi. Ouais, bah, je te répondrai, c'est pas une raison. Ouais. C'est même ouais. Presque l'inverse. C'est-à-dire que justement, les années ont passé et ça aurait dû être éprouvé. Donc, ça devrait être les reins solides. Ça devrait être opérationnel plus aisément que cela. Voilà. Donc je vais essayer comme ça. Et ensuite j'en ai encore un autre exécutable, on va tenter comme ça. J'ai bien mis 665 et l'autre général.date, où est-ce qu'il est? Ah, une lamproie de rivière. Oh, j'ai pas choisi ma tuture, moi, quand le tourisme aussi quoi. Oh, ah oui, je vais faire ça aussi. Mais pas tout de suite, d'abord je règle le problème. Je suis au bon endroit. La Honda NSX. Je vérifie si exécutable son nom. Ah bah tiens, pour ceux qui voient mon signal là, interlude, pas prévu. Le Sherlock Holmes contre Jack l'éventreur, là, l'icône que vous voyez à l'angle en rouge. Je me ouais. suis débloqué hier, je suis content. J'étais coincé dans l'intrigue. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai regardé la suite sur internet. Et je vous expliquerai pourquoi j'étais contraint de le faire. Et que je suis pas content sur un certain point du jeu. Je vous l'expliquerai dans l'épisode. Je vais peut-être tourner un autre. Je vais d'ailleurs même sûrement tourner un autre épisode ce soir. Quand j'aurai dit au revoir à tout le monde, je ferai un petit épisode d'une heure avant d'aller me coucher. Et, ouais. Alors... et voilà, je donnerai mes explications dans l'épisode. Oui, Nayone ? C'est toi à l'autre de la partie, tu peux y aller, on peut tester maintenant. D'accord. Si tu veux. Ok. Alors, room option, est-ce qu'il y a des options de. On va voir. Max de joueurs, allez, on va mettre 2. On va se limiter ouais. entre nous. Description, un jeu. Description, prout. Voilà. Valider seulement les copains. Déjà. Voilà, voilà. Alors, Azure Profil, vous me voyez bien? Ah oui. Ah oui, ah c'est bien. Ah. Ah, ça n'apparaît pas. Ah, c'est caché. Ah, sur un autre écran. Oh, exactement, t'as tout compris. Ouais. J'ai mon écran secondaire. Et oui, vous voyez pas tout. Oui, faut cacher les informations. Tu m'étonnes. Alors, je sais plus comment je dis. Ah, c'est Start? Voilà, ah, c'est oui. ça, tourne bas à droite. Mm-hmm. Ouais. Bon, on va voir si cette méthode marche. Après, j'ai une roue de secours, encore. Une dernière roue de secours. Après, on sera obligé d'abandonner, malheureusement. Je vais acheter une voiture. Je prends une de tes voitures, le sage. Je sais pas laquelle, mais je prends des clés, hop. Chevrolet Camaro Z. Ouais. Une américaine, occidentale. Sympa, okay. la Camaro. Sympa, la Camaro. Donc, j'ai une question. Sage, est-ce que tu as acquis toutes les. Il y a un moment, ils ont sorti la collection complète de Command Conquer, les 17 jeux donc, et est-ce que tu en as profité? Non. Okay. Non. Non, parce qu'en fait, tu sauras que je n'aime pas tous les opus de Command Conquer. Ah oui, c'est vrai. L'alerte rouge, j'aime pas trop, tu m'avais dit. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais testé l'alerte rouge 2 et il m'avait moyennement plu.
Et je t'ai vu faire récemment le 3, je crois, avec Petit Seb. Oui. Et Ouais. je me suis frotté les yeux. Je me suis dit, oula, j'avais plus l'impression que vous jouiez un StarCraft. StarCraft Oui. qu'un Command Conquer. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'était vraiment StarCraft. Oui, c'était vraiment l'impression que ça m'a fait, parce qu'en ayant connu les deux jeux, je trouve que Alerte Rouge ressemble beaucoup à StarCraft. Et pareil, moi, c'est le Command & Conquer classique qui me plaît pas trop. Je sais pas pourquoi, c'est ça me plaît Ah, moins bien. alors que moi c'est le contraire, je le trouve vachement réaliste. Pas le Generals, mais l'autre, le classique, classique avec Ken et le Node et la confrérie du Node et le GDI. Après, j'y ai quand même joué, hein, Ça. c'est appréciable d'y jouer. Ah Alors oui. là, tu es bloqué, le sage, voilà, super. Je suis bloqué in the morning. Ah, va falloir me rejoindre là, Yone. J'arrive tout de suite, Va j'arrive. falloir me rejoindre. Alors, dit que Gentoo n'est pas compatible, c'est pas grave. Je m'en fiche. Attends, Je j'ai fait bouge la des souris. bêtises, moi. Je ne fais que des bêtises. Quand tu n'es pas Ah, là. je te vois pas. Pourquoi je te vois pas? Parce que c'est scandaleux. Nom d'une pipe en bois. Je vais recommencer, je vais retenir un multiplayer. Non, je te vois pas dans les jeux. Comment ça, tu me vois pas? Refresh, il n'y a pas de refresh. Nom d'une pipe en bois. Je pourrais streamer mon écran, mais ça va tout faire foirer. Non, mais pourquoi tu me vois pas? Je vois ni dans ton nom, dans le joueur. Et c'est chiant, ça. Bah, c'est surtout débile, oui. Oui, c'est débile. Attends, j'ai merdé un truc. Attends, je reviens dans Non, non, ma. c'est. Je crois que j'étais obligé d'utiliser la deuxième roue de secours après, ça sera terminé. Attends. Avant ça, est-ce que j'ai pas fait de Ouais. bêtises? Multijoueur, réseau. Multijoueur réseau, oui. Oui, on est d'accord, puisque Game Et là. Over. Et pourquoi je te vois pas? Moi non plus, tu me vois pas. J'ai jusqu'à la Ah, j'ai louche. pas le même menu. Comment ça, t'as plus de menu? J'ai pas le même menu que toi. Bah, t'as quelle version du jeu? Ben, j'ai là 1.04 dans Options. Multijoueur. Oui, t'es comme moi, t'as la 1.04. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors attends, délai d'envoi peut-être. 1.04, voilà. Positionneur de parfait uniquement. J'ai pas le même menu. C'est quoi cette Existence. blague? Tac. Activiser ouais, le network address translation. Option de comment configurer soyez de les clics et garder riposte auto. Gna Non, gna gna. je ne comprends pas. T'as pas Gna le même menu que moi. Pourquoi on n'a pas le même menu? Poilu. Poilu. C'est dingue. Parce que si je fais en ligne. Bon, en ligne, c'est mort. Hein. C'est comment ça s'appelle? Alors, GameSpy. ouais, on est d'accord. Et moi, quand je suis en ligne, est-ce que j'ai accès à quelque chose? J'ai accès à quelque chose. Il faut que je tape mon mail, mon nickname, mon password. Oh! Alors que moi, il me dit que j'ai accès à rien. Bah, c'est quoi le délire? Je ne comprends pas. Ah, tu m'étonnes que je comprends pas non plus. Pourtant, le numéro de version est la même. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais tout à l'heure, t'avais pas le même menu, j'ai l'impression, j'ai pas compris. Bah, j'ai pas 50 versions de Generals. Ouais, mais c'est bizarre. Ou alors j'ai mal vu, mais ça m'apparaît bizarre que t'as un menu comme ça. Ou alors j'ai pas fait attention, mais. Bon, ben je sais pas, Attends, est-ce que je suis vraiment dans le jeu avec toi dans la. Oui, je suis avec toi dans la Le pièce. Gen Et. Tool, c'est ta version 8.6? Oui. Attends, mais comment ça se fait que moi le jeu est pas lancé de mon côté? Il y a marqué Join. Ah, attends, je crois savoir. Je crois savoir. Ok, oui. Le truc, il m'a fait n'importe quoi. Il m'a lancé la version Steam. Join. Alors, je te laisse me réinviter, s'il te plaît. Alors attendez, on commence. Ah. Un jour Oh. nous y arrivons. Oui, Ouais. un jour nous y arrivons. Ce Alors moment de flottement. invite. Je suis Comment déjà. Non, hein, c'est bon, je suis dans la partie. Bah C'est juste là, je lance et puis. Parce que moi, il n'y avait pas le rond vert de lancement quand j'ai lancé. C'est à côté de mon pseudo à droite. Toi, il y avait le tien, mais pas le mien. C'est bizarre. C'était un jeu qui, à l'origine, était prévu pour les LAN ou pour le GameSpy, donc c'est normal que ça merde un petit peu. Mais j'avais la version.
J'avais la version, comment ça s'appelle? Mais il veut pas. Ah si, il veut, c'est bon. Bah. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il me pose des questions. Quel est ton nom? Il dit no logo, no, il me propose trois commandes à lancer, pas de logo, pas de shell map et pas de départ rapide. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et pourquoi je te vois pas moi? J'attends de te voir. Parce que je suis encore là, il y a Steam qui me pose une question. Ah. Un jour nous y arriverons. Poil au trou fignon. Nah. Ok, je vais chercher. Bon, là ça marche pas, je vais faire la troisième roue de secours et ça sera terminé. Oh là là, dans une pipe en bois. Enfin, j'avais dit la deuxième, mais on verra bien. Hop, copier. Je vais le coller au bon endroit. Donc, je vais donc là, tu peux quitter, ouais. Ça c'est l'endroit, voilà, super. Fast. Replace, exactement. Et là, normalement, ça doit marcher. Si ça marche pas, c'est fini. Oui. Je suis prêt, tu peux lancer. C'est parti. C'est parti. La 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 la. Comme d'habitude, il faut bouger la souris. Gémissement. Là, ça marche. Ah, je t'ai vu. Ah. Voilà, mais pourquoi il me passe par là, cette andouille? Mais dans une pipe en bois. Donc là, si ça marche pas, on pleure. D'abord, on pleure abondamment, ensuite, on lance des gros mots. Et ensuite, on va balancer une bombe chez IE. Pardon. Non. J'allais dire, on va porter plainte contre Westwood. C'est le studio original qui est mort depuis il y a des années. Ouais. Une plainte un peu spéciale. Ouais. Ok, une donc je vais prendre le. Très salé. Ah. Oui. J'ai une chance. Allez, équipe 1. Bon, là, on serre les fesses pour que ça marche et on prie le dieu du jeu. Le dieu du jeu, oui. Ah, accepté, pardon. Voilà, c'est bon. Tu peux quand même commencer. 3, 2, 1, lancement du missile. Le skid. Le skid. Alors, espère. C'est peut-être qu'il aime pas mon accent quand je dis... Ah merde, j'ai le général laser. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pris au pif la nation. C'est pas grave, j'aurai les bombardiers Aurora, ça va envoyer du pâté. Je partis de l'Empire du Milieu. Je construis pour la Chine. Wouah, mais cet orage de masse à grandir. Ouais, l'éclair de ouf, t'as vu ça? Ah, ça me rend fou. Let's get to work. Let's go to party, let's go to party. On traduisait, allons à la fête. Amélioration achevée. Ah, là ça déconnecte pas. Nous avons de grands. Pas encore. C'est le mec qui parle de mal. Je pense que ça va passer, hein. Ça... Ouais, non, c'est là. Je construis pour la Chine. Toi, mon toi. Mon toit sur ma tête. C'est ça. Ouais, faut attendre que ça construise. Sounds good. C'est bon, ça marche. La dernière roue de secours a fonctionné. Super. Loud and clear. Ah oui, un aérodrome. Belle emplacement. And the job. Have a job for me. Low power. Locked in.
C'est un bon choix. Allons prendre I've got the power. Wow, 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 wow. Peut-être que je fasse quelques soldats quand même. Il serait temps. Construction dans les normes. Allons prendre livraison. Excellente idée, général. J'avais même pas vu les rochers. Je me dis, tiens, c'est bizarre. C'est ma fille, bêtement. Il y avait des rochers sur sa route. Alors, il faut pas tout embêter. J'ai besoin de thunes. Ça y est, je commence à avoir besoin de thunes. Ah là là, je dépense n'importe comment. De là, tout tourne. Chantier terminé. C'est un bon choix. Made in a new end someday. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est impossible. Construction terminée. Construction terminée. Vache, le son il est violent. Ouais, ouais. Bon, bah ça marche, c'est pas déconnecté. Content. Moi content, on va jouer avec Sage. Au jeu. Pas à autre chose. Est-ce que tu prends déjà des fessées de la part de l'ennemi? Non, pas pour l'instant. Non, non, je suis peinard. Keep him busy. Always ready. Ah bah attends, oh, amélioration des lignes de ravitaillement. Hein. Hop, c'est bien comme ça. Search and destroy. Ça y est, j'ai mis une défense. Nous défendrons ce secteur aérien. Et oui, il faut défendre le ciel. Come on, j'ai here. Set system set. Hello field. Readability clear. Ah, je me sens mieux avec les aéronefs. Ouais, tu m'étonnes. Tu vas pouvoir cramer des bandits. Est-ce qu'il dit pas, j'ai fait la fin de la partie, il va balancer un missile nucléaire en plein milieu de la base. Il veut se venger. Je le sais, je le sais. J'ai un minaret trop bizarre. Ah, d'accord. Ah, pas mal. Keep it busy. La conception de la carte, je commençais à comprendre. La foudre va s'abattre. Commençais à la foudre va s'abattre. C'est pas le moment de dire ça, il y a orage. Au travail. Fou, All finished. Pour ma particularité, tu me l'as complètement détruite, tu sais. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai la capacité super arme améliorée. Et comme je peux en utiliser, tu en as mis que je peux en utiliser qu'une, bah du coup, ma force est tout à fait affaiblie. Bon, après, j'ai des bombardiers aurora, donc c'est pas gênant. C'est aussi des sortes de super armes. Ça y est, l'ennemi m'a agressé, il est parti en fumée. Je me suis largement défendu. Ça en vaut la peine au moins. Avec tes petits avions. Oui, ça en vaut la peine. Attendez, ça en vaut la peine au moins. Ils sont si petits vus d'en haut. Oui. Ils sont si petits vus d'ici. Attends. Le super hélicoptère. Je vais faire 8 bazooka. Merde, j'ai pas assez de temps. Oh, ouais, de la thune. Oh, ouais, de la thune. Il me faut 8 soldats lance-roquettes. Ça dans le. L'hélicoptère, pour moi, l'hélicoptère il va faire bobo. J'aimerais expliquer quelque chose. Alors, les Américains, on a toute faction a des capacités après qu'ils aient épuisé les stocks de ravitaillement répartis à peu près tout sur la, à peu près sur la carte. Ensuite, on a la possibilité de s'auto-alimenter en thune, en ravitaillement. Donc. Toi, tu as les pirates informatiques, la GLA, ils ont les marchés noirs, et moi, j'ai une particularité, j'ai les ponts aériens. Ces ponts aériens, ils sont livrés régulièrement toutes les deux minutes en
ravitaillement. Et ce, d'où viennent ces avions, en fait, il faut tracer une croix sur la map. Une croix. Et le triangle, là où je suis, le triangle en haut à gauche, tous ceux qui viennent du triangle gauche, ça va, ils vont tous vers la droite, vers, de l'ouest vers l'est. Du coup, ça, il faut faire attention. Quand tu as des ennemis qui sont en face et que les avions, des dépôts de ravitaillement vont vers l'ennemi, donc si je continuais dans le triangle bas de la map, hein, et ben on verrait le, on aurait tous les avions partir vers le nord, vers les ennemis. Et le truc, c'est que les ennemis, comme les, comme nous-mêmes, on gagne des points d'expérience avec les étoiles, généraux d'étoiles. Et à chaque fois qu'on casse une unité ennemie, on gagne de l'expérience. Donc si les avions vont au-dessus, passent par au-dessus de la base ennemie, qui sont des anti-aériens, ben, ils pètent les avions et ils gagnent de l'XP encore plus rapidement que en combattant normalement. En plus de combattre normalement. Donc faut être assez astucieux là-dessus. Là, j'ai placé dans le triangle est pour qu'ils aillent vers toi et pas vers l'ennemi, mais là, c'est un peu compromis parce qu'ils couvrent à la fois le triangle nord et le triangle est. Donc c'est un peu délicat. Mais en 1 contre 1, c'est facile d'éviter que l'ennemi gagne trop vite en expérience. Alors moi, j'ai un bug détestable. Ah merde. J'ai mes troupes qui refusent de monter à bord de l'hélicoptère. Alors, l'hélicoptère, je crois que tu peux pas monter les troupes dedans parce qu'il n'y a pas de garnison. Bah, il me dit qu'il y a eu des emplacements. Ah, il y a eu des emplacements, fais voir, clique dessus. Bah oui. Alors, bouge l'hélicoptère. Ah. Oui, quoi. Voilà, c'est ah, bon. Ah, il pouvait pas dire. Merci, Néné. Oui, il y a le même bug. Le même bug avec les chantiers de construction, soit surtout les Américains. Des fois, tu poses une base et puis le mec il bouge pas, il se passe rien. Donc il faut juste enlever la construction, déplacer le constructeur et le remettre. Et t'as l'icône petite brique qui s'affiche et là tu peux faire la construction. Oui, tu peux faire la chose. C'est un bon choix. Donc comme tu dis, je vais demander mon indépendance en thune, histoire d'être tranquille. Mon autre, voilà, bulldozer, tourelle de défense. Bon, je pense, j'ai un truc que j'ai pas compris avec le dépôt de ravitaillement des Américains. Des fois, ils larguent les dépôts de ravitaillement à côté du pont aérien, du coup, c'est pas récolté la thune. Alors ça arrive quand c'est sur le bord de la carte, mais il y a d'autres situations où ça se produit et j'ai pas compris pourquoi. Erreur de largage, voilà, ils sont pas parfaits. Alors moi, tu me rappelles plus qu'une anecdote vie réelle, pas de moi, mais témoignage. Souvent, c'est le dire que le jeu vidéo, ça fait des années que le jeu vidéo est devenu un outil de formation en entreprise. Et là, vous allez voir l'importance, ça sauve des vies. La Croix-Rouge américaine, Red Cross America, lorsqu'ils faisaient des missions de soutien aux populations locales en Afrique, par rapport aux pays en conflit là, africains, il y avait malheureusement des salariés, enfin des membres de la Croix-Rouge américaine, qui à bord des avions cargo merdaient le largage des vivres, oui, de l'aide. Et ils merdaient tellement bien, c'était malheureux, mais ils détruisaient parfois des habitations, des installations des malheureux, quoi. Et parfois ils les tuaient. Parce que la caisse, avec les rebonds ou le fait qu'elle se brise au sol, qu'elle était mal larguée, ils ont eu des problèmes, il y a eu des morts. Et ils ont conçu un jeu vidéo où justement ils apprenaient à avoir les bons repères visuels. Quand l'arrière de le sas de l'avion cargo est ouvert et que vous voyez défiler le paysage, la soute arrière, on va dire, de l'avion, ils apprenaient à avoir les bons repères, à comment et à quel moment larguer les caisses de vivres et. Alors, je dirais pas de munitions, parce que là, c'est pas le boulot de la Croix-Rouge. Mais. Voilà, ils ont rectifié leur erreur. Ouais. Et bah, c'est bien. Et bah oui, heureusement d'ailleurs. Ouais. Moi qui parle de largage dans le jeu, Nayone, moi ça me rappelle oui. un problème fait réel. Il y en a un truc réel, ouais.
L'orage me rend fou. Ouais, c'est presque un peu d'inconfortable. Oui. Ouais, c'est un peu inconfortable. Exactement. Nous vivrons dans la prospérité. Mais c'est trop réaliste, l'orage. Pardon. Je sais pas, j'ai jamais remarqué, mais je sais pas si des soldats qui sont dans des dépôts de. Comment ça s'appelle? Dans des. Moi en anglais c'est firebase. En fait, t'as un truc qui consomme pas d'énergie électrique, qui tire des obus, et tu peux mettre 4 soldats à l'intérieur. Et je sais pas si la portée de ces soldats est augmentée quand ils sont en garnison à l'intérieur. En plus de du plan Search and Destroy. Au poste de commandement, pas au centre stratégique. Donc je sais pas. Ah, j'ai pas le son. T'as remarqué toi ou pas? Non, j'ai pas fait gaffe, mais je t'avouerai. Je suis toujours une étoile, mais je suis pas encore général. Ouais. Donc il me dit que j'ai pas fait de... Moi aussi je suis une étoile, j'ai toujours pas acheté mon truc. Qui est le plus gros calibre. Bon, je vais faire un peu d'éclairage, d'un peu de des révélations de terrain, mais ça tu verras pas du coup. Ou ça 8. Dans les bunkers. Ah oui, bah t'as pris le général. L'infanterie. Alors l'infanterie, elle est très forte contre les avions. Leurs soldats de base, ils sont très forts contre les avions et ils ont des mitrailleurs. Yep. Et ils sont puissants. Et du coup, c'est sûr, ils ont plus de bunkers parce que c'est de l'infanterie. C'est le général d'infanterie. Ouais. Ouais, je me suis laissé surprendre. Ouais. Ils ont bien aménagé pour être vite dans les bunkers, ce qui est juste énorme. C'est marrant quand on parle de bunkers, j'ai tout de suite pensé pour ceux de Far Cry 3. Les bunkers de Far Cry 3, punaise, qu'est-ce qu'ils étaient bien faits. Alors j'ai pas joué à Far Cry 3, j'ai juste l'envie de jouer, mais pas assez forte pour pouvoir vraiment l'acheter et jouer. Il y a des chars ennemis. Lion and Lord. Lance-roquette en. Comment j'ai dû. Lance-roquette pour la Chine. Il y a des chars ennemis. Et oui, les chars ennemis. Lance-roquette pour la Chine. Chimini-mini. Non, 8, je sais pas compter. 10. 10 dans les bunkers, pas 8. Oh là là, qui dit mieux. je ne sais plus compter. Je me refuse de croire. Oui, en plus, quand je dis que sur tes bunkers, je peux pas voir le combien de gugus tu mets dedans. Non, voilà. Je vois pas. Regardez mon signalé. Ouais. Ouais, oui, 10. C'est énorme. C'est énorme. Bon, je vais faire un petit bombardement Aurora, c'est parti. Là, j'ai envoyé du pâté, attention. On va percer. C'est pas ce que je voulais faire. Jamais je m'habituerai à cette souris qui fait un clic droit maladroit. Ah, j'ai pas de place. Je les fasse devant. Oh non, il y a pas de place pour faire des aéroports. Zut. J'ai pas pensé comme il fallait. J'ai pas optimisé ma construction. Et bah, tu vas quand même construire ici. C'est Kranios. Moi, j'ai que deux bombardiers Aurora. Allez, contrôle 5 et contrôle 6. Canon, je peux en acheter 4. Ah, c'est un budget. Ouais, j'ai ralenti la construction. Ah, ouh, je vais m'amuser. Je sens que je vais m'amuser. Oui, je vais acheter l'optimisation Gatling plus puissante. Voilà, comme j'ai mes tourelles. Non.
Alors mon double buzzer, il est réparé. Prêt à être réparé pour la Chine. Allez, Hunt. Adel anywhere. And the job. Au travail. Je dois pouvoir les entendre. Lui, il va aller là. Oui, c'est mieux. Oula. J'ai mon portable. Il y a toujours moyen d'entrer. Prêt à établir. Oui, j'ai une version craquée pour jouer au jeu. J'ai acheté le jeu CD plus le jeu sur Steam. Lamentable. Mais non, c'est pas lamentable. Ça te fait. Ouais. Bah oui, ouais. C'est bien. Comme je le souhaiterais, ouais. Ouais. Exactement. Bah, tu parles, j'aime bien le jeu là. Il est magnifique, le Genovers. Ouais. Ah, j'apprécie beaucoup les jeux de stratégie. Ouais. Et quand ils sont donc pas trop complexes, hein. Que des fois ils sont vraiment complexes. Ouais, ouais. Et des fois, il y en a, c'est vraiment. Ils sont tellement complexes, ça en fait un jeu de niche. Oui, bah oui, ça arrive. Les fameux. Par exemple, j'ai juste comme. Comment ça s'appelle? J'ai essayé de m'y mettre, hein, mais c'est pas facile. Les Europa Universalis, Earth of Iron, c'est les jeux de paradoxe de une grande stratégie. C'est. Faut, non seulement faut être passionné d'histoire, mais faut être calé en stratégie. Hein. Comment ça, j'ai perdu une unité? Ah oui! Tu te fais agresser, attention. Il y a des visiteurs. Ouais, you've been promoted. Bon, je vois que tu te débrouilles très bien en France. Alors, pour te donner un indice, les soldats à lance-roquettes qu'ils envoient, bon après tu t'en sors très bien, ils sont très efficaces au. Enfin, les mitrailleurs Gatling, donc ceux qui sont l'infanterie mitrailleuse Gatling, et c'est assez efficace. Je te conseille de les utiliser. C'est pas les soldats originaux des Chinois, et c'est, je te conseille, c'est vraiment cool. Tu verras l'efficacité. Ah, une moto dangereuse qui s'approche de chez toi, une momie dangereuse. Bonjour Dorota, mais ça va bien, merci, et toi? Bonjour Dorota, comment vas-tu? Il répond aussi une petite chanson, bah c'est bien. J'aime mon portable. Lotus Noir nous a bien entraîné. Oh, j'ai ma souris qui est mal, c'est bon. Ma souris qui fait des clics droits toute seule. Avec mon gros doigt. Ah oui, alors dans les jeux stratégiques, qu'un jeu qui est très difficile, un jeu de. Quand tu passes d'un jeu de stratégie à un autre, des fois, je sais pas si t'as remarqué le sage, mais t'as ce que j'appelle le clic relâché et le clic maintenu. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'appuies, par exemple, dans ce jeu-là, quand t'appuies sur la souris que tu relâches pas le bouton, sur une unité donc. Ça ne sélectionne pas, c'est que quand tu relâches que ça fait l'action. Une autre fois sur les jeux, c'est le contraire, c'est dès que tu cliques, dès que le truc est enfoncé, ça sélectionne. Et le pire, c'est quand ça mélange les fonctions, quand tu dois rapidement sélectionner des unités, assez rapidement sur le terrain, réagir vite, ça, on s'embrouille, on fait pas des double clics, on fait des clics simples, ou on fait le contraire, et du coup, ben, comme ça, on perd rapidement une bataille, et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ça dans les options de choix du joueur, et surtout de mélanger ses fonctions de clic, ce qui est complètement débile. Félicitations, général. Vous avez été promu. La patte canon chargée. Oui, bah, la patte canon est complètement de bateau. Unité perdue. Il y a pas de canon. Moi, la patte canon, je l'ai perdu pour faire des feux. Construction terminée. Les nappes à canon ne sont pas appropriées sur le front. Donc, je les laisse en deuxième ligne. Ah, mine à fragmentation, ça m'intéresse. Breaking the sun barrier. Des mines là, histoire d'user des mines. Viens, toi, mange-toi ça. Oula, j'ai fait des explosions chez l'ennemi, ça fait mal. Hein. Je t'ai débarrassé d'une force d'assaut puissante. Merci, bien joué, tu es le plus fort. Oh, pas, me complimente pas comme ça, sinon après je vais me la péter. J'ai pu me sentir au bout d'un moment en fait.
Faut pas me complimenter comme ça, c'est une mauvaise idée. Et moi j'ai mis les détails de la corde. Ah, ces explosions de fou. Ah, allez, on va faire un petit révélation de cœur. Très très bien le son de mine. Alors je crois qu'ils font les super armes en face que quand ils sont en très difficile la difficulté. Ouais, donc on a de la chance. Pour l'instant ça va être tranquille. Ah bah oui, ça va être tranquille. Enfin, j'espère. Ah, bonjour cousin, j'espère que ton bac se passe bien pour toi. Bonjour cousin. Mais tu serais venu plus tôt, tu vois, avant de jouer avec Nayone à Command Conquer Generals. Je sais, je refaisais le large de Noé 3D, donc les musiques que t'aimais bien là. J'ai batté le singe. Ce matin, j'ai fait le troisième épisode, j'ai neutralisé le singe. C'était rigolo. Est-ce que je peux mettre l'avion ici? Non, il y a le bâtiment qui gèle. Où est-ce que je peux le mettre? Parce que là, c'est pentu, en fait. Non, c'est juste une texture. Ah, je pourrais faire ça. Donc, je vais prendre un avion, là. Et je vais attaquer ici. Je vais attaquer le bâtiment et je pourrais construire l'aéroport. Je vais attaquer les civils près de chez moi. Je suis ignoble. Je pourrais faire le bal aéroport. Non, j'ai rêvé, je peux faire l'aéroport. Ah si, presque, j'ai cru. Nous vivrons dans la prospérité. Des fois le truc est clignote, c'est l'aide. C'est un bon choix. Non, j'ai rêvé. Nom de Dieu, j'ai rêvé. Si je vends ce truc-là, est-ce que je peux le faire? Oh, merde. Ah, alors non, j'ai rêvé. Hein. Le moyen, il peut faire comme des super armes. J'ai dit n'importe quoi. Bon, je suis trompé. Je reconnais que je suis trompé. Mon erreur, my mistake, my bad. Mon mauvais, mon erreur, diraient les Anglais. Oui. Bon, je vais les calmer. Notre allié a activé son canon à particules. Ah, c'est explosé, c'est bien. Il est hors de question qu'il fasse un autre... une autre arme. La recherche, c'est 4 minutes. Je sais pas que... Je crois que les canons à particules des super... du général super arme, je crois que ça dure plus longtemps. Ou alors c'est plus puissant, je sais pas. Je sais plus trop. Je suis perdu. J'avoue que je suis perdu. Comment je vais faire pour faire le truc ici? Nom d'une pipe en bois. Le nom d'une pipe avec canne à jus. Alors ce que je fais comme tactique là, c'est pas terrible. Je reste cloîtré chez moi et je mets tous les bâtiments de ravitaillement au même endroit. Ce qui fait que si l'ennemi balance un scud dessus, bah je perds du fric. Unité perdue. Non mais il défonce, mais ouais, c'est pas plus pour les canons. Ouais. Et la perle. Je vais voir comment tu t'en sors. Bah, je me défends. Construit pour la Chine. Je me défends. Excellente idée, j'ai de bons projets. C'est un bon choix. Moi j'attends beaucoup mon largage de mine à fragmentation sur ce pont là parce que ça va me donner une sécurité. Ah mais attends, mais j'ai un dépôt de ravitaillement tout proche. Il faut que je leur dise d'aller là les gars.
Ouais, je vais faire juste un petit canon. Ça. Mine à notre mine chinoise libère plus de métaux. Construction terminée. Allons prendre livraison. Ah voilà. Voilà, ça c'est un bon largage de. Largage d'obus. De mine à fragmentation. Donc là déjà le camion piégé qu'on voit à l'écran, il est pas prêt de maintenant. Ouais, bien placé. Bim, allez, boum. C'est ça. Unité perdue. Comment ça, unité perdue? Laquelle? Bombe incendiaire massive. Ça, c'est fait. Demain, je me pose des questions. C'est habile de se poser des questions. Ouais. L'hélix entre en action. Là, est-ce que je vais attaquer le dépôt de ravitaillement ennemi pour le fouetter un petit, donner un petit coup de fouet là? Je vais faire usage de Super Lotus. Ah, unité perdue. Ils viennent chercher des ravitaillements chez l'ennemi, tes camions, du coup, et bah ils meurent. On prend le tour de l'autre côté. Ça sera très bon une fois. C'est encore un truc que je comprends pas, je peux voir tes troupes à l'intérieur du bâtiment, alors qu'on est alliés. Je te dis prout. Ah. Prout le deux. Très bien, je suis là. Quel est le plan d'action? Le bâtiment est construit. Ah, eux ils vont perdre leur. Ouais, je décolle. Opération bombardement chirurgical. J'ai envie alors. Enfin, si. Oh, j'ai bombardé, tiens. Quoi? Ah, d'accord, c'était toi. C'est moi qui ai tout cassé. Je suis un bandit, j'ai tout cassé. Oh non, j'ai perdu une unité. Il a focus unité, ça a marché. Ouais, faut que je fasse un supersonic aircraft. Ouais, et ben c'est bien, j'ai zigouillé le marché noir des airs. Donc déjà, il a des ressources en moins. Bonjour Christella, oui, bonne pack à tout le monde. Bonjour Christella, merci. Ouais. Bonjour. Merci à toi aussi, bonne pack. Plein de chocolat, mais pas trop. Ah bah, on va rigoler. S'ils essayent de passer dans le champ de mine, ils attaquent en canon. Ouais, ouais. Pourquoi le canon c'est tout par là? Fait le chemin le plus court, où il était bloqué à un moment donné. Oui, il a été bloqué, oui. C'est bizarre. Bon, ouais, attends. C'est bizarre. Bon, ton canon, faut... est prêt. Mais le conseil que je te donne, c'est faire directement un dépôt de ravitaillement juste à côté. Ouais. Du truc. Ouais, ouais. Allez, je vois la logique. Comme ça, ça évite qu'ils viennent casser tous tes camions à 300 euros à chaque fois. La merde. Bon, je vais perdre un navire. J'ai attaqué le mauvais bâtiment. Quelle andouille. Ah, j'ai perdu 3 avions sur les 4. Bonjour, oui. Bébé, on est online. Alors, amélioration achevée. Ouais. Ah bah oui, elle s'est mise là-bas. J'ai pas du boulot. Là, tu vas en avoir du boulot, madame. Supersonic aircraft. Missile nucléaire paré au lancement. Qu'est-ce que c'est? Alors. Mon agent secret va pirater le véhicule ennemi. Alors, est-ce que j'ai. J'aime bien ces petits auroras, mais ils sont fragiles. Je suis en désolé. Ah, c'est le général furtif, je crois.
moi je suis immonde et je... Oui, je peux... Nous avons lancé notre missile nucléaire. Ouh, il a balancé du missile, le sage. Il va jeter son gros missile. Félicitations, général. Vous avez été promu. Ce champignon atomique. Hop. Cette lumière. Lumière. Quoi ? Ils font un bâtiment. Ah, certes. Mais ils sont débiles. Quoi ? Je comprends pas. Alors, dans la série, l'ennemi est débile. Il a pu. Il a donné l'ordre de construire un bâtiment dans la zone que j'avais nucléarisée. Sauf que les radiations étaient encore là. Donc quand l'ouvrier est arrivé, il est mort. Alors, tu sais ce que t'as fait là en fait ? Il y avait un bâtiment furtif, tu l'as cassé. Et il y a deux niveaux pour casser un bâtiment. Et là, c'est la grotte. Mmh. Et du coup, bah, une fois qu'il était détruit, j'ai repopé le... ça fait repopper automatiquement un ouvrier qui vient directement de l'intérieur du bâtiment. Et mais que tu ne construis pas. On donc c'est pas, il a pas fait ses vêtements, c'est vraiment automatique en fait. Donc non, c'est, ouais, c'est pas vraiment de la débilité de la part du de l'IA. C'est juste le jeu qui est pas pensé correctement. Unité perdue. Là t'as mis des mines, mais il bougera pas, donc il perdra rien. Ah bah il a remonté. Je crois que les mines ont pété quand même. À la fin non, de la tu le vois plus. Du bâtiment. Attends. En fait, je crois que tu le vois plus. C'est pour ça que tu... Parce que je vais y retourner. Regarde. Je vais y retourner. Attends, où est-ce que c'est? C'est là. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais faire ça. Voilà, il est construit. On le voit pas parce qu'il est furtif. Là, est-ce que tu le vois? Parce que j'ai mis le truc. Ouais, j'ai mis ah en lumière, oui. Ouais, bravo. Tu as des espions. Et surtout, j'ai de l'expérience surtout. Oui, je vois ça. Bravo. Bravo, monsieur. Voilà, tous ces avions. Ah, c'est les tiens, ça. Ah, tu gâches. Normalement, ça va les éjecter. Quoi, bonne lapin. Ah oui, bonne lapin, oui, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Il y en a plus qu'un, pourquoi il n'y en a plus qu'un ? Et j'ai fait une grosse explosion, mais ça n'a quasiment rien fait, la bombe nucléaire. La bombe, c'est assez local, l'effet de... des bombes aéro-incendiaires, des auroras. C'est bien des auroras d'ailleurs. C'est quoi? C'est des auroras alpha bomber. Des alphas. Comme des mâles alpha. Alors, attends, déjà il faut que j'améliore ça. Oût. Observons. Tu observes ce que je vais faire? Non, moi. Ah. Je vais voir si ma stratégie est valable. Non, il va pourrir, il va mourir. Il est mort, zut. Il se prend trois attaques et il est mort. Ah oui, excellent. Unité perdue. Là, j'ai réalisé un coup de maître. J'ai bien fait suer l'ennemi. C'est cool. Bonne lapin. J'ai n'importe quoi. Je me commande un petit CMO. Bah tiens, je vais me couper. Ah bon, lapin de Pâques, d'accord. J'ai compris, je vais vous demander
C'est sûr que t'allais dire une... Je me commande un petit... Non, je le dirais pas, c'est mal poli. C'est grossier. Là, j'ai balancé une petite bombe aérocendière bien placée. Bim. Je vais l'anéantir. Je saisis les coordonnées. Prêt à déformer le signal. Aucun missile ne passera. Attends, je laisse le véhicule là. Attends, si j'ai bien... Non, j'ai pas... Brouilleur de fréquence en attente. Ça exécute droit, pas clic. Réinitialisation au système navigation. Char CME. Ah oui, il m'intéresse de neutraliser. Unité perdue. Ah, ça... Non, ça marche pas mon drone, c'est bien ça. Oh. Est-ce que j'ai vaincu l'ennemi? Oui, il est vaincu. Un coup de bombe aéro-incendiaire là. Terminé. Une révélation du terrain et je vais attaquer le bâtiment ennemi avec le... Notre allié a activé son canon à particules. Particle cannon activated. Il peut aller plus vite le rayon apparemment. Je crois que c'est la vitesse qui change. J'ai cramé ça de bâtiment. Crame chirurgicale. Je vais bombarder ça à coup de... Hop. 4, on va attaquer eux. En plein milieu, on va balancer deux bombes. T'as tout cramé ou c'est de la furtivité? Je pense que c'est de la furtivité, mais je suis pas sûr. Je pense que j'ai quand même aussi tout cramé. Bonne partie. Alors, je sais pas si t'as débloqué dans les compétences... Ah bah non, t'es pas américain. Parce que moi, je vais balancer des... J'ai mis un petit drone au nord, près en ancienne base de l'ennemi, du coup on voit une certaine zone. Voilà. Je vais aller où? Je vais aller là. Oula, je fais mes saluts. Ah oui. Ouh, j'en connais un qui va avoir. Baba. Voilà. Parce que l'avion n'était pas dans le bon axe. Alors eux, ils vont mourir dans la trance souffrance. Missile nucléaire paré au lancement. Eh merde, j'ai quand même perdu une unité parce que j'ai pas été assez rapide. J'ai hésité. Mais je comprends pas, la fonction contrôle, ça a évité justement qu'ils fassent demi-tour et qu'ils lancent quand même leur bombe. Nous avons lancé notre missile nucléaire. C'est incompréhensible. Alors, sachez que je ne respecte absolument pas la convention de Genève. Mon dieu, le sage, oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, j'ai pas aimé ce que j'ai entendu. Excusez-moi, j'ai un problème extérieur là. Oui. Ou alors était-ce le vent? Parce que je sais qu'il peut y avoir du vent sur Nancy aujourd'hui. J'ai pas aimé ce que j'ai entendu. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y, vas-y. Oui, je suis toujours là. Oui, ouais, je t'écoute. Oui, oui. J'en doute pas que c'était toujours là, heureusement, merci. Mais c'est moi qui ai arraché mes écouteurs parce que là j'entendais un bruit sourd pas normal. D'accord. Parce qu'une détonation près de chez moi et j'aime pas ça. Bon, mes attaques spéciales à distance, voilà, faut que j'attende un peu. Ça en vaut la peine au moins. Living payload. Oh, les portails, les pédales. Et ça acharne à faire des ravitaillements, hein, c'est bien. Comme ça, il récupère de la thune.
Il n'y a plus grand chose, hein, ils sont presque morts, les gars. Oui, je crois. Oh! Comment il est giclé, le mec? Ah oui, ça gicle, ouais. C'est. Il gicle. Non, je voulais pas faire ça. Super Sonic Aircraft. Ah, c'est bien, oui, t'as dit. Breaking the sound wall. On voit ton drone. J'espionne ton drone, Lyonnais. Il fait le job. Blindage supplémentaire terminé. Je vais mettre un drone là-bas aussi. Ah, oh, il est mort. Ah non, il est pas mort. Cool. Donc là, il détecte les unités cachées, le drone. Hein. Mais il n'y a rien dans, dans la zone. À part un ouvrier. Réglez-vous sur la fréquence de l'ennemi. Je peux faire ça que je me mettrai dans le camion, le radar. Ça sera bien. On va percer leur blindage. The living payload. On va percer leur blindage. Alors, j'ai trouvé un astuce juste à l'instant. Non, je me suis souvenu. Quand t'as des aéroports, toi-même les Chinois et les Américains, je dégage d'abord les avions qui sont sur le côté plutôt que ceux qui sont prêts à décoller en ligne droite. Comme ça, les avions s'enchaînent de très près. Ce qui fait qu'en fait, quand t'approches près d'une base ennemie avec multiples avions, l'ennemi aura multi-cibles, du coup, il aura moins de chances de détruire entièrement une unité. Ouais. Ça évitera, ça limitera les pertes, en fait. D'accord. Mais c'est, faut y penser, quoi. Faut, ouais. Pour ça, il faut. Enfin, je mets un groupe de contrôle pour les avions qui sont à gauche, puis ceux qui sont au fond. D'accord. Ouh, ça va chier. Je crois qu'ils s'arrêtent en route. Pourquoi ils ont enlevé cette fonction? C'était chiant, c'était bien quand il y avait une fonction forcée. C'était chiant, c'était bien. Bah, il met personne là, non? Cherche pas la louche. Bon, je crois qu'ils ont oublié la cible. Et merde. Ouais, ils ont oublié la cible, c'est con. C'est nul. Pourquoi ils ont changé ce paramètre? Ah, j'ai un blocage. Et toi, le sage? Oui, j'ai l'ordi qui a fait un remix. Ah. Je crois que le jeu a crash. Le jeu a crash chez toi, peut-être. De toute façon, c'était plié. En tout cas, GG. Oui, merci. J'ai un remix de chants d'oiseaux, c'est rigolo. Ah oui, ça fait une boucle là. Ouais. Alors, on voit le curseur bouger, mais le jeu est figé. Étape halt, peut-être. Revenir sur le jeu, je sais pas. Peut-être rien. La patience. Il reste 20 secondes. Parce que c'est étrange comme plantage. Oui. 10 secondes. Attention, déconnexion dans 3 secondes. Bon bah t'es plus en jeu. Mon ordi t'a compris que. Mon ordi t'a compris comme hors jeu. De toute façon, on était connecté l'un de l'autre. Là, le délai de 60 secondes est passé. Bizarre. Eh ben, je vais quitter pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça te fait craindre? Fais un autre jeu, oui. Ou tu veux qu'on fasse. Attends. Oh, 1, 3, 2, 1. Est-ce que tu veux refaire un autre terrain de combat dans Command & Conquer? On se fait une deuxième guerre une deuxième bataille, ou est-ce que tu veux changer de jeu? Non, je veux bien faire encore une petite bataille, une deuxième bataille. Ouais. D'accord, on va changer de terrain. Je vais quitter le jeu, comme ça tu pourras m'inviter. Attends, je fasse CTRL-C, je t'attends. Voilà, super.
Hop. Je suis prêt, j'attends que tu lances. Mmh. Je vais faire une petite pause, je vais me chercher un petit truc à boire en attendant que ça se lance. Mais oui, moi ça me laissera le temps de paramétrer. Tout de suite. Ah, tout de suite. Mmh. Moi, je vais rapidement voir si on m'a pas envoyé un SMS. Ah oui, on m'a envoyé un... Alors... Ouais, j'ai un membre de la famille qui a changé son programme du jour à cause de la mauvaise météo. Je rigole. Bref. L'essentiel, c'est qu'il n'y a rien de grave. Réseau. Il est où le Nayunus? Nayone. Voilà, on a vu. Alors, Crépati, on va changer de 4. On va changer de carte. Ou alors, attendez, je réfléchis à un scénario de guerre valable. On va mettre... On va mettre du corset. On va mettre des vilains... Ouais. On va se battre contre... Ouais. Une fois n'est pas coutume, je pense qu'on va jouer les méchants. On va jouer les méchants. Moi, je vais incarner Chine. Il y a les blindés. Je suis là. Je vais prendre donc les armées de l'air USA. Voilà, c'est bon. Je vais prendre le vert. Est-ce que je voulais? Alors, une medium army, c'est bien, super. Parce que là, c'était easy. C'est très 3 ennemis, c'est génial. Oui, il va y avoir du spectacle, mais. Moi, je me mets là. Tu te mets où? Je le mets carrément au bout. D'accord. L'ennemi va être à l'opposé. Voilà. Donc, il faudra bien se mettre en autonomie. J'ai pas cliqué sur prêt. Je regarde si j'ai tout bien mes paramètres. Voilà, j'ai c'est bon. Retrouvé un je suis prêt. PS3 qui pourrait te plaire beaucoup. Et je souhaiterais te l'offrir. Serait-il possible que l'on en reparle en PAMP pour que je puisse avoir ton adresse? Oui, Torota, merci. Oui, on fera ça ce soir, si tu veux, le MP. Bon, ouais, ouais. On verra ça ce soir, mais merci d'y avoir pensé, c'est adorable. Merci, Torota. Et tu veux faire Torota? Ah, oui. Nucléaire de pointe. C'est un bon choix. Oui, après, oui, je vais pas prendre, je vais pas monopoliser le sage pour tous les jeux, ça serait pas cool. Que je sais que les jeux stratégiques, ça plaît pas à tout le monde. De tout pour faire un monde. Voilà. Il faut patienter, je vais... Après, le Golf Round, ce sera plus, je pense, fédérateur. Construction terminée.
Amélioration achevée. Bel emplacement. Ouais, Animal Project, tu vas te faire un avion. Tu vas te faire une base. Si tu vas pouvoir construire. Vas-y mon coco, tu peux. Hop, tac. Construction dans les normes. Je vais aller capturer un dépôt de ravitaillement qui se trouve entre nous deux. Je vais faire deux hélicos. Je vais en faire un chantier de construction et je vais regarder s'il y a d'autres dépôts de ravitaillement à capturer. Donc. Nous avons de grands projets. Je vous avoue que j'ai un petit coup de mou. Je sais pas pourquoi. Ah bon? Oh. Ouais. Oh, tu veux faire une pause? Non. Ah. Mais je serais hors activité internet. Là, je m'écouterais. C'est limite si j'irais pas m'installer dans mon plumard à m'écouter. Un document radio et refaire une sieste. Le truc qui est totalement déraisonnable. Excellent parce que ça correspond pas à mon hygiène de vie. Mais non, je sais pas, là j'ai un petit coup de mou. On a c'est du boulot bizarre. Aussi. Donc, n'hésite pas à m'appeler si t'as besoin de soutien d'armée, le sage. Oui, merci. Je ferai de mon, aussi de mon mieux pour venir t'aider. Non, mais moi, oui, tu me connais, ça va être toujours mon fameux alarme! Allons prendre livraison! Par contre, je mettrai un temps à traverser la map, c'est sûr. Ah bah, elle est grande! Techniquement, c'est la belle. Je vais m'envoyer un véhicule près de chez toi. Allons prendre livraison! Ça sera, comme ça sera bien. Moi, j'ai pas beaucoup de thunes, mais ça va le faire. Hop, c'est parti! C'est 2000 un dépôt, ouais c'est 2000. La Chine va s'agrandir. Je ne fais que des bêtises. Chasseur tactique au rapport. Quand tu n'es pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Réfléchissons. Chasseur tactique au rapport. Special forces here. Chasseur tactique au rapport. Le bâtiment est construit. Alors quand on capture un Derrick pour la première fois, le premier joueur qui capture le Derrick, il a automatiquement les 1000 points de bonus de récolte. Ah, de, oui. De thunes. C'est un bon choix. Donc c'est plus c'est de risquer de prendre un Derrick, mais t'as quand même au moins 1000 balles de remboursé. Je suis sanglé et paré. Yep. Patrouille aérienne en position. Bon, je vais pas pouvoir capturer le Derrick, c'est pas grave. Construction dans les normes, nous vivrons dans la prospérité. La Chine va s'agrandir. Alors, est-ce qu'il y en avait j'ai... Ah bah, j'ai déjà dû compter l'accueil. Oh bordel. Oh les salauds. Bande de malos. Allez, voilà déjà. Alors. Ah, quand mes ouvriers sont à... Qu'est-ce qu'ils foutent tous mes trucs? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu alarme, mais je vais essayer de faire mon possible, le mieux possible. Bah, je j'arrive, je casse les... J'arrive, hein. Ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite, général. C'est bon, je vais envoyer des petits soldats. Général, notre base est attaquée. Normalement, je suis mort, ouais, voilà, je suis mort. L'autre, il a capturé ou pas? Unité perdue. Des vols pour la Chine. Ils attaquent déjà. Merci.
Attends, je vais tuer le pilote là. Je suis pilote américain, oui, t'es mort surtout. Un char laser. Ah non, il y a des avions. Waouh. Ah, c'est bon, je peux les attaquer. Il a largué ses missiles. J'ai plus le truc, ça va être chiant. Là, c'est le stress. Waouh. Eh oui, le niveau de difficulté est largement relevé par rapport à la promenade précédente, là. Tu m'étonnes. Donc, je vais refaire ma centrale. C'est un bon choix. Et un bras. Oh la vache. Non, mais qu'est-ce qu'il faut que là-bas? Non, faut que je te défende. Faut que je te défende. En vol. C'est patrouille aérienne en cours. Avion en attente. Je suis sanglé et paré. Construction. Patrouille aérienne en position. Ah, attendez. Là où est-ce qu'il est mon truc? Il est juste là. Hop. Bel emplacement. Alors on va faire des défenses. 1, 2. Alors là, il faut se concentrer un petit peu là. Pourquoi j'ai ça? Ah, tu m'as perdu perdre du terrain, mais c'est pas grave. Mmh. Non! Oh merde! Oh, c'est pas vrai! Mais... je prends très cher. Je prends ultra cher. Oula! Le bâtiment est construit. Oui, tu me fais mal, Lyonnais. Attaquez! Oh, les noobs, les noobs! Nous avons de grands projets. Les noobs! Les noobs! Vite! Ligue en vol! Attaquez-moi ça! Vite, attaquez, attaquez! Ça craint. J'ai pas pour. Je crois qu'il y a des Américains en face, je suis tellement pas habitué à combattre les Américains. Avec leurs avions, là, ils font mal. Oh oui, elle a fait le job. Elle a fait le boulot. Bravo, la Gatling. Alors, il faut absolument que je fasse ça. Tu m'as appuyé avec tes hélicoptères, évidemment, merci. Mais... j'ai fait une tourelle aussi, mais... là, on n'a pas le contrôle map, c'est pas très bon. Ça craint un petit peu. Voilà, super. Ils font plein de kérosène ou quoi? Je suis sanglé et paré. C'est pas bizarre. Nous défendrons ce secteur aérien. Ah oui, alors. Alors, faisons les choses correctement. Bon, là, ça s'est calmé pour nous. C'est bien. Pour le moment. C'est ouais. Un bon choix. Mais ça va pas durer. Alors, une étoile, j'ai le droit à des trucs. Un petit coup de café là. Pour préparer des véhicules d'une zone, ouais. Alerte, canon à particules détectées. Je vais jouer ça. Canon à particules activées. C'est qui prend cher? C'est le mot. C'est toi qui... attends, c'est l'étape qui précède la frappe. Il l'a déployé, nuance. Ah oui, oui, oui. Il a pas d'électricité d'ailleurs. Chantier terminé. Oh, ça craint. Je me fais griller. Waouh. Ah oui, ça, oh, ça pique craint. Ça pique, ouais. Et ils ont des lasers, ils me font mal. Ouais, ça craint, Max. Attends, moi je refais une tourelle de défense. Wouah! Ils font super mal. 3... ouais, c'est bien, je vais pouvoir en faire plus. Alors que je passe un truc que j'aime pas, les UMV. Non, mais c'est très bien qu'il y ait du défi comme ça, parce que sinon c'est pas drôle. C'est un plat très épicé.
Construction terminée. Alors, j'essaye potentiellement de t'aider. On va tenter un truc. Excellente idée, général. J'aime pas faire ça, mais je vais le faire quand même. Yep, yep, yep. Est-ce que je peux faire un hélicoptère? J'ai besoin d'électricité. Ah, ils arrivent avec d'autres bonhommes, fais chier. Les lasers, ils font super mal. Ils sont chers, mais ils font super mal. Wouah. Cher. Ils mettent cher, les cocos. La foudre va s'abattre. Que dois-je faire? Espace aérien, il s'est fait démonter. Bah c'est bon, j'ai réussi à repousser l'attaque. Ouais, moi je commence à bien organiser mes défenses, donc ça devient. C'est bien qu'il te monte sur moi parce que j'arrive mieux à me débrouiller pour repousser l'ennemi. Mais voilà. Attends, là il faut que je fasse deux démos de ravitaillement. Parce que j'ai besoin de thunes. Ils vont nous repousser avec leurs thunes, là ça va faire mal. Qu'ils ont de la thune qui tombe sur toute la map, ils sont efficaces. Bon là ça va, c'est calme, mais ça va pas durer longtemps. C'est calme. Je vais faire un laser qui va griller leur navire. Je peux retourner à ma base s'il te plaît ou ça va aller? Oui, tu peux te retirer, merci, je peux me défendre là. Je peux me défendre. Maître de guerre. Ouais, j'en fais 8. Mais j'ai pas. Je prends un risque. Et puis une baisse. Là, j'ai comme il y a des canons, faut que je fasse des lasers. Comme il y a des avions. Le bâtiment est construit pour la. Bon, je construis des trucs là. Ah oui, lui il a mort. Ah, ils arrivent. Ils arrivent chez moi. Bon, c'est bon, j'ai dû. D'accord. Je vais pas tarder à avoir l'audace de pouvoir te couvrir à mon tour. Je vais d'abord t'aider au sol avec des divisions blindées. Ok. Bonjour, Nation Man. Les chers tranquilles naïonnais, oui. Dans la merde. Ah, mais c'est les Américains avions de l'air que t'as mis, en fait. J'ai mis les trois Américains, les trois spéciaux. Ah oui, ok, c'est pour ça qu'ils me grillent. Je comprends pas comment ils font pour me griller. Voilà pourquoi ça fait un défi. Ah, ça fait super mal. Oui, bah oui. Ils ont les lasers américains, c'est chiant. Il y a quelque chose en bas. Wouah, ça craint. Ça craint du boudin, les gars, les gars, les boudins. Je me fais griller la gueule. Ça fait mal, au secours. Ah, oui, alors eux aussi commencent à me griller la gueule. Nous avons de grands projets. Je peux plus me protéger. Non, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Moi, c'est grillé. J'ai plus de quoi défendre. Ah, les peaux de vache. Ils se volent pour la Chine. Objectif en vue. Ils ont porté, eux, les enfoirés. Le pire, c'est les petits lasers américains, là, ça fait suer. Mort aux ennemis de la Chine. Je combat pour l'armée rouge. J'ai perdu mes deux aéroports. Ouais, ça craint. Heureusement, commando est là. Alerte, canon à particules activées. Wouah, je me fais allumer. Ouais, le canon américain. Bon bah moi je suis dans la grosse. Ah, nul barrigo, 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 n'importe où barrigo. Au moins que je garde les hommes. Oh, alors je m'en remettrai mais ça fait mal.
Oui, l'attaque m'a fait très mal aussi, mais je m'en suis sorti. C'est beaucoup plus équilibré comme bataille. Là, on se promène pas. Oh la vache, c'est sympa. Alors... Oh, ils arrivent avec une énorme armée. Oh non, je peux pas contrer là. Comment ça, tu peux pas contrer? Bah non. Non, non, certainement pas. Attends, j'arrive. Je vais t'envoyer des copains. Il me grille la tronche, hein. Il me grille la tronche, j'arrive, les gars. J'arrive. Tu as un renfort de division blindée. Non, il tue mon général. Oh non. Il tue mon commandant. J'aurais dû vraiment prendre les bases plus vite. Parce que là, il se rince en thunes. Mm-hmm. Attends, ma division blindée arrive, elle est là dans 5 minutes. Tu vas me dire, ce sera trop tard. Bah, c'est comme je dis à chaque jeu stratégique, quand on perd, c'est on avance de 10 pas, on recule de 100, quoi. C'est violent comme concept, mais je conçois. Ah, on a une chasse. J'ai pas fait d'infanterie, j'aurais dû faire de l'infanterie en fait. J'ai le vieux réflexe qui sont nuls en face et. Ah, il me roule dessus. Vraiment ? Non, ouais, non, c'est fini. Ah, je suis en train de t'aider là, ça va. Ok, mais... merci. Ouais. J'ai perdu toute mon armée et tous mes bâtiments frontaux. Mais j'avoue que je suis paralysé. Ça me paralyse. C'est une terrible bataille. Bon, je vais faire de l'infanterie. Il y a encore des soldats chez moi. Oui, je sais, mais j'en ai réduit pas mal. Tiens le coup, tiens le coup. Je reste, hein, mais s'il crame. Oh non. Il dépose mes dépôts de ravitaillement, c'est de la loose totale. Est-ce que ça marche comme ça, mon truc? Non, là t'es en train de griller mon bâtiment. Attends, je suis en train d'apprendre à. Ah non, ouais, c'est vraiment les véhicules, c'est pas les bâtiments. Ok. Je combat pour l'armée rouge. Je viens t'apporter de la défense. J'arrive. J'envoie 3 blindés, TD. Ouais, c'est fini. Mais non, mais non. J'ai fini. Si, c'est ils m'ont bien roulé dessus. J'ai besoin de... Merde. Nous vivrons dans la prospérité. Ce sera très beau une fois. Adieu. Ah, mais j'ai perdu des amis. Écoute, la défaite. J'ai tout perdu, moi. Il ne reste plus que mes niveaux de ravitaillement, mon centre-ville va tomber. Là, j'avoue que je suis dégoûté. C'est fini. J'aurais dû faire de l'infanterie, j'ai pas pensé à faire de l'infanterie. Là, je suis prêt à recommencer la bataille, si tu veux bien, mais je fais mieux de l'infanterie. Parce que ça m'a coûté très, très, très cher. J'ai fait direct des avions, c'était une mauvaise idée avec les armées de l'air laser, tout ça en face. Unité perdue. J'ai plus de centre de commandement, donc je peux pas faire d'ouvrier. J'ai plus que mes 3 dépôts de ravitaillement et mon centre... Enfin, mon dépôt de ravitaillement et mes ponts aériens. Nous défendrons le ciel chinois. Nous défendrons ce secteur aérien. Construction terminée. Oh vache. Ah! J'ai pas eu le réflexe de faire de l'infanterie, c'était une très mauvaise chose. Très mauvais. Je combat pour l'armée rouge. Je crois que j'étais vaincu. Est-ce que j'étais vaincu? Ah bah non, il y a encore... Ah, j'ai un ouvrier chez toi! Ah mais oui! Ah non, je l'ai perdu. Non, je l'ai perdu. J'ai perdu l'ouvrier. Au moment où tu l'as retrouvé, tu sais, une heure devant toi. Vous avez été promu. L'horreur. Je sers à rien là. Là, je peux dire littéralement, je suis foutu. Ni ouvrier, ni bâtiment, juste rien. Toute ma base est détruite. J'ai pas le radar, j'ai. Bon, ouais, je peux. Hop. Là, on peut dire littéralement, je suis foutu. Moi, là, j'ai plus de thunes. C'est ça mon souci, moi j'ai plus de thunes. J'ai pas le temps de déclarer mon autonomie. J'ai pas eu le temps de faire d'infanterie. Erreur lamentable. C'est primordial l'infanterie dans le jeu. Nayone a été vaincu. Bah j'ai abandonné. Parce que j'ai plus d'ouvriers. Non, moi
moi j'ai pas le temps de mettre une économie financière en fait. J'aurais dû faire un site internet. Je peux encore le faire, mais mon avis, je m'en prête pas. Voilà, moi c'était bien ça. Ça m'a plu le fait que l'adversaire soit plus efficace. Non, non, c'est bien. C'est bien, mais il faut que. Juste que je fasse de l'infanterie. Infanterie plus avion. C'est tout. Cible verrouillée. Je résiste tant que je peux. Attends, pourquoi je peux plus faire de bâtiments du tout là? Ils arrivent par centaines chez toi. Par dizaines. Ils arrivent par l'est et par le nord. Il en vient de partout. Ouais, t'es, là c'est mort pour toi. Un an que tu fasses une super arme et quand tu touches chez toi, tu la balances sur toi même et tu les tues tous. Bah, sacrifice à Kiri. Tu sais que c'est une stratégie horrible mais qui est pas si débile que ça. C'est, elle est désespérée, mais elle est pas si débile que ça. Ah. Et il est là. Aïe. Ouais, bravo. Mais qui c'est qui me tire dessus? Ah, c'est... Unité perdue. Je combat pour l'armée rouge. Allez. La Chine paye sur nous. Bouge. Ah bah, je suis trop nombreux. Oh mon dieu. J'ai de vie à l'arrache. Alerte. Canon à particules détectées. Oh non! Félicitations, général. Ah oui, vous oui, avez mais c'est trop tard pour le galon. Trop tard. Mais là, je me fais laminer, là. Ouais, c'est foutu. Allô, c'est foutu depuis. Oui. Mon j'abdique. Capitoule. Boum! Bon, bah, ouais. C'est donc dur, après, hein. Tu veux peut-être passer à autre chose. Ouais, c'est... Mais c'est faisable. C'est faisable. Tu veux qu'on essaye de la faire alors qu'il est midi ou pas? Bah c'est comme tu veux. Moi je suis partant, comme on peut passer un autre jeu. Bon bah si t'es partant, on y va. Après est-ce que dans ton public il y en a qui veulent jouer à autre chose? Non, ils partent faire la bouffe. Manger. Nayonet déclare la D'accord. bouffe. Donc bonne à tout le monde. Voilà, je te laisse héberger la partie. Tu peux refaire les mêmes paramètres et cette fois-ci. Je devrais remporter la victoire normalement. On devrait en remporter la victoire. Mm. Enfin, je devrais vaincre l'ennemi. Loin game, c'est parti. Équipement. Non mais c'est cool comme ça, j'aime bien. Vous êtes musclé mais j'aime bien. T'as pris Nuke. Je reprends Air Force. Et voilà un chat. Il est tout triste. Comment ça, il est triste Il est un peu, il est un peu tout triste, je trouve. Ah bon, il arrive tristement. Hey, Réglisse. Il a mal dormi? Oui, Réglisse. Non, il a pas mal dormi. Il était... Ce matin, il a réclamé ses croquettes, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, il était perturbé avec le changement d'heure. Il comprenait pas pourquoi je lui donnais ses croquettes tout de suite. Oui, changement d'heure. J'ai un coup de gueule à passer, pardon. Oui. Le dossier du changement d'heure et d'essayer de coordonner tout le monde à échelle européenne ou d'organiser quelque chose a été... entre guillemets perdu. Oh. Ah, entre guillemets, perdu. Hein, j'en bafferais ouais. Moi des parlementaires européens là. C'est une histoire. Je sais même pas à quoi ça sert en fait le changement d'heure, si c'est vraiment efficace, si c'est vraiment. Alors, déjà, je tiens à rappeler que 80% des sondés côté français voudraient qu'on enterre cette histoire de changement d'heure tous les 6 mois, déjà. Mmh. Torota qui nous laisse parce que lui il a un gros souci météo, il a une pluie avec des grelons et de l'orage assez violent. Bah courage, oui. Bisous, à plus tard. Bonne journée, bon courage à toi Torota et puis bonne journée. En espérant qu'on puisse se faire des gens en commun dans l'après-midi, mais si la météo vous coupe l'internet, ouais ça va pas le faire, je comprends. Mais bonne app, bon courage pour le lundi férié, à plus tard. Merci d'avoir été là. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui, en 72, je crois, à cause du choc pétrolier, avait mis en place le décalage horaire, le changement d'heure, pour faire des économies, justement. Il voulait maîtriser l'éclairage en France nocturne, ouais. Et il avait déclaré, tiens, on va se décaler d'une heure par rapport au solstice de printemps.
Ouais. Alors, à l'époque, c'était censé être une mesure prévisoire. Oui. Provisoire, ouais. Il n'a pas été abrogé. Et du coup, on a gardé ça. Et moi, ça me fait grave suer. Je rêve, vraiment. Hein, je rêve de faire sauter ce décalage qui me les brise. Et qui les brise visiblement 4 Français sur 5. Puisque le dernier sondage côté français disait que 80% de la population aimerait que ça disparaisse, ce truc à la noix. Donc. 4 sur 5. Donc si c'est 4 sur 5, c'est 8 sur 10. Ouais. Ouais, c'est ça. Comme une infraction irréductible. 4 sur 10. 4 sur 5. Mais oui, voilà. Bon, alors, t'es prêt ou t'es pas prêt? Ah, pardon, mais j'ai attendu que tu te mettes dans la bonne équipe. Ah, tu as raison. Pardon, la faute me revient. Voilà, c'est pour ça. Mais à coup pas. Je suis prêt. Merci. Bon, bah cette fois-ci, infanterie. Infanterie et avion de chasse. Avion de chasse pour défendre les airs. Quand t'es dans le désert, depuis tout le temps... J'envoie tout de suite un véhicule. Les yeux bandés. Les yeux, la machine de base a grandi. Moi je dis réparation véhicule, je veux. Je pratique l'Empire, je construis pour la Chine. Tiens, je te répare. Nous avons de grands projets. Je te répare alors que tu es neuf. C'est un bon choix. Nous vivons dans la prospérité. Allez, c'est parti. Zoumi, à plus tard, Torota. A plus tard, Torota. Ouais, non, c'est chiant, coup de l'orage. On en a eu un petit, hein, nous, hier. Amélioration achevée. Moi, je suis pas rendu compte, mais ok. Si, si, moi j'ai vu des éclairs par la fenêtre. Alors que j'étais invité. Ah. J'étais pas chez moi. Alors attendez, je réfléchis parce qu'il faut aller vite là. Là, on n'a pas le temps de l'embrouiller. On n'a pas le temps de jouer du cornet à piston. J'ai cru t'as dit, on n'a pas le temps de jouer du choc à pic. Ce garçon, il est fou. Bon allez, cette fois-ci, je regarde pas un bulldozer, mais j'en prends vraiment deux, parce que il faut une cadence de dépense de fric assez importante. Je ne peux le nier. Allez, on commence à faire les trucs de ravitaillement. Moi, je commence à faire ma ligne de défense en Gatling. Il va me coûter de la thune, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. La Chine va s'agrandir. Oui, la Chine va s'agrandir, mais c'est pas comme si elle était déjà géante. Nous avons de grands problèmes. La Chine doit s'agrandir. Non, tu t'imagines mal le gradé dire la Chine doit se rapetissir. Quoi? Chantier terminé. Achoum, excusez-moi. La 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 li la li la li tigi digi di ti 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 tigi digi di tigi digi di ti 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 tigi digi di ti ti ti. Excellente idée, général. Qu'est-ce que tu viens mettre ton bulldozer? Construit pour la Chine. Il y a un TD, si jamais il y a un problème. Je vois. J'apporte du soutien. Ton bulldozer est bienvenue chez moi. Au milieu des agglos et des gravats, bienvenue chez moi. Ta-da-da-da-da. La Chine a été généreuse. Allez, on va récolter 3000 de thunes. La Yine. Chantier terminé. Excellent. Fais commencer déjà les grabuges. Ouais. On va faire un hélicoptère en aéroport. Faut que je me garde du fric pour faire ma défense aérienne. Attention à bien gérer le fric. La fête s'échappe. Non. Construction dans les normes. La fête s'échappe. Ouais, allez, je peux. Je peux. Ça se tient. Partissons. Building is out. Chasseur tactique au rapport. Bel emplacement. Je vais faire un hélicoptère, c'est bon.
C'est un bon choix. Ah, j'ai la thune qui rentre, c'est bien. J'ai la thunasse qui rentre. C'est très bien, très bien, très bien. On va faire un bâtiment juste ici. Hop. Ouais, non, on va faire... Que c'est un hélico là. Je crois qu'il n'y a pas d'hélico. On va en faire un. Et ils approchent. Ils approchent avec des tanks. Oh, pas des UV. Non, toi tu vas aller par là. Il en vient de partout. J'ai pas construit assez vite, zut. Machine basse à grandir. Chantier terminé. Nous avons de grands projets. Bon, la base n'est pas prise, tant pis. Non! Je suis sanglé, oh. J'ai des emmerdes. J'ai des emmerdes de soucis techniques de souris traître. Tresse. Attention, les véhicules arrivent sur ta position. Merci. Alors là, on peut dire littéralement qu'ils se sont fait aligner. C'est bon, je les aligne avec mon infanterie, je suis content. Ouais, mais non, mais tirez! Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh la vache, les cons. Construction terminée. La Chine a été généreuse. Voilà. Ça sera très bon une fois. La vraie ligne de Gatling, c'est un truc de fou chez moi. Je construis pour la Chine. Ce Gatling. Bel emplacement. Vite, réparez-moi le. Mais passe pas par là. Oh mais quel empoté. Voilà, l'infanterie sera très bien à faire des avions. Merde. La thune va déjà vite me manquer. Il faut que je fasse le l'indépendance financière. Il va falloir que je mette le centre là, avec le bulldozer va foncer là-bas. Nous vibrons dans une rentre, c'est cool. Ouais, tu vas faire un autre dépôt de ravitaillement juste ici. Comme ça, ça te fera. Tu seras pas l'objet de cible. Suffisant pour le centre éternel. Pourquoi j'ai déjà le. Ah non, j'ai pas le propagande. Mais non, mais non, mais non, mais non. Putain, ça va coûter cher les. La Chine a été généreuse. Partissons. Vous partez simple pour la Chine? Oui, vas-y, ma couille. They're attacking our base. Ils attaquent notre base. Base. On va faire du dépôt de ravitaillement, c'est parti. Un petit véhicule. Mets-moi un véhicule! Mais non, mais. Wouah, le. Oh là là, mon pilote avion de chasse, il a fait un tir débile. Le bâtiment est construit. Très bien. Nous vivrons dans la prospérité. Très bien. J'aime bien ce que je vois. Bah, on va faire la guerre chez l'ennemi, ça sera tellement mieux. Ouais, ouais. Je vais faire une autre piste, moi. Bel emplacement. Et on va prendre. Ah, ouais, mais pas tout de suite. Attends, je change la donne. Merde, il me faut de la propagande. Nous avons de grands projets. Il m'envoie de la propagande des Chines. Partissons. Ça déconne zéro, ma houille. Il faut le faire. La 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 la. Mais en fait, c'est tiré sur les VMV. Oh, mais le mode d'autonomie, zéro quoi. J'ai perdu le trois quarts de mon infanterie. Ton infanterie qui jouait de la trompette. Non mais c'est n'importe quoi. Oh cette blague, tu peux pas les laisser autonomes 2 minutes, les gars. J'ai perdu toute mon infanterie. De blague, mais cette blague. Du coup j'ai perdu toute mon avancée, j'ai perdu ma base secondaire. Ça commence déjà à les emmerder. Putain. Ça me ralentit tout ça parce qu'ils sont pas autonomes. Attends, autonomie, c'est à zéro. Hein.
Low power, c'est vraiment pas le moment en fait. Résiste, Nayunus, tu peux le faire. Résister, mais chaud quoi. Alors, ils sont pas en autonomie, les gars. Prouve que tu existes. Je veux bien résister, mais c'est mes soldats font de la merde. Ils sont pas comme. C'est muche. Le bâtiment est construit. C'est mûche, c'est mûche. Ah oui, t'as une panique. Mais oui, je sais que l'on est attaqué. Si vous saviez vous défendre un peu. Le bâtiment est construit. C'est un bon choix. Le blague gigantesque. Nous avons de grands projets. Alors, moi, il faut que j'investisse dans les pilotes chinois qui vont la porter de la toune. J'ai horreur d'avancer de 2 pas et de reculer de 10. Ça me saoule. Toi aussi, tu danses sur la carrière. Nous vivrons dans la prospérité. Voilà, ah oui. Ah oui, comme il dit. Ah oui. La Chine va s'agrandir. Il n'y a pas de système sûr. Allez, quoi, un pont de ravitaillement parce que j'ai besoin de thunes très très vite. Protéger l'Italie, dommage que la terre pour l'équipe de la radiation sera vécu et détruit. Oh! J'organise vraiment ma défense. J'ai laissé des images de la pluie de grêle. Ah ouais, je regarderai ton Discord, ouais. T'as réussi à faire des photos de ce oh, qui ça commence déjà à swinguer là. Ouh là là, c'est pas bon, dans 3 minutes on se prend un rayon laser. Oh oh. Je lui ai envoyé directement des. Oh non, ça va pas être possible, ils vont se faire désactiver. Ah, oh, ça craint. Ça craint du poudre. Je construis pour la Chine. Nous avons de grands projets. Ça sera très beau. On peut essayer mieux dérouler que tout à l'heure, mais c'est chaud quoi. Courage, je vais foncer. Les Kimraptors, ils vont se faire griller par les défenses. Ah, il me faut des pirates informatiques chinois. Je tente une mission suicide. Ça va me coûter très cher, mais ça nous évitera de prendre un rayon dans la gueule. Ouais. Fais pas tout de suite, hein. J'ai pas de bonus. Le bâtiment est construit. Je vais tenter un truc, c'est chaud, mais je vais tenter. Ouais, ça y est, rien. La Chine a été généreuse. Ils descendent sur ma base, mais c'est pas grave. Je pourrais les repousser. Alors, les autonomie, je vais mettre le truc pour pas qu'ils se fassent griller la gueule. Je vais faire vite un autre ouvrier. Qu'est-ce qui m'envoie des loustiques? Je construis pour la Chine. L'autonomie est terminée. Non, la technologie n'est pas terminée. Félicitations, général. Vous avez été promis. Bien. Bien. Ah, je me défends bien, Nayane. Super. Ouais, très bien. Ça sent bon de mon côté. Putain, je suis mis en grade là parce que j'en zigouille tellement. Ouh, je fais un joli doigt d'honneur à l'ennemi. On y croit, Nayane, on y croit. Il n'y a pas de système sûr. Construction. Je vais bloquer le terrain. Je vais envoyer une mission suicide pour bousiller le canon à particules, mais ça va être chaud. C'est très chaud. Non, pas vous. Surtout, ne vous faites laissez pas faire, s'il vous plaît. Restez pas planté. Merci. Foncez, avancez, les gars, avancez. Avancez, les gars, on peut le faire. Je dis n'importe quoi. Comme vous me connaissez. En train d'essayer de gérer ces guignols. Je peux ruiner leurs installations. Je prends un snipe, super. Je suis en bonne voie, moi, d'avoir mon indépendance financière. J'ai des snipes, je pourrais les bombarder facilement. Ouais, c'est cool. Nous vivons dans la prospérité. C'est chaque bord. Voilà, s'ils envoient des infanteries, ils sont morts. C'est bon, j'ai cassé le canon à particules. Oui, et j'ai récupéré tous mes avions.
C'était chaud, mais j'ai réussi. Bravo. Il n'y a pas de système sûr. Ça va être plus facile maintenant. Juste une seconde. On les mate, on les mate. Unité perdue. Comment ça, unité perdue? Quelle unité? Quelle unité? C'est pas tout de nous dire bon. Unité perdue, mais... Ah, j'ai perdu un avion de chasse. Bien. Là, les gars, dépêchez-vous. Pétez-moi ces cons. Oui, attends, je vais faire un passage. Dépêchez-vous, les gars. Félicitations, général. Vous avez été promu. Ouh, j'ai été promu, je vais avoir des nouveaux joujoux. Chantier terminé. Je vais faire un centre de commandement chez toi au cas où je me ferai défoncer la barbichette. Ouais. Je me mets au fond, mais c'est chaud. Oh, bombardé nucléaire. J'achète tout de suite. Le bombardé nucléaire. Alors. Ah, bah ils ont leur dépôt de ravitaillement. Ça, je peux mettre une bombe nucléaire, c'est rigolo. Depuis tout à l'heure, ils essaient de griller ma zone, mais j'y arrive pas, les gars. Ça, c'est cool. Super. Ils sont en tête à attaquer. Je sais pas comment il fait pour attaquer, mais il s'y prend quand même en chaîne. Non, là, je vais faire suer dans leur zone de ravitaillement. Les turquoises. Les snipes, ils vont juste régler leur compte. Non, c'est crétin. Ils vont prendre cher. Quoique je sais pas que je suis. Merde, dommage. Mais j'ai piégé leur zone de combat. Ça va pas les arranger. Oh bonne mère. Vite, mettez-moi un bulldozer là-bas. Nous vivrons dans la prospérité. Alerte. Canon à particules détecté. Ah, je vais encore casser leur canon à particules, ça permettra de monter en grade. Je vais pas tarder à faire un missile nucléaire, moi. Ouais, je vais pouvoir faire un silo. Attention les gars, à gauche, à l'ouest. Oui. Je mets le bloc, répare. Avion en attente. Patrouille aérienne en position. J'aime bien la musique de fond, moi. En jouant la Chine, j'ai l'impression d'être dans un resto chinois. Et pour la monnaie, ce sera un boulot de printemps. Chasseur tactique en rapport. Là, ils fondent sur ma base. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je dis ouais, tu sais, le mec enthousiaste. Ouais. Je suis invendu, je suis avec l'ennemi. Ouais. Patrouille aérienne en cours. J'ai un point très important, c'est les toxines. La protection contre les toxines. Les toxines. Les toxines. Ah, savoir où ils vont. Ils vont descendre en masse. Non, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Oh, mais ils sont cons, j'ai dit en mode défense. Pas défense. Putain, défense aérienne, pas des unités au sol. Nous avons de grands projets. Bon, ils arrivent. Alors, moi, je n'ai plus de... Camion de ravitaillement. Ravitaillement. Ah, les salauds. Faudrait que je revendique le Derrick. Chasseur tactique au rapport. Salopards, ils ont revendiqué un Derrick. Ce serait trop bien que je leur grignote de la zone. Là, ça vaut le coup, avec ce niveau de difficulté, de vraiment de faire de la conquête de territoire, tu sais, par grignotage. Là, il y a quelque chose de trépidant. Oui, il y a aussi quelque chose qui est très bien, c'est faire juste après faire du contrôle map, c'est-à-dire qu'on s'installe carrément sur toute la map. J'ai perdu deux avions, c'est chaud. Hein. Je vole pour la Chine. Je vais réussir. Mais oui, tu vas réussir. Nous défendrons ce secteur aérien. Nous défendons les sols chinois. J'ai pas réussi, merde. Oh merde, le canon à particules va griller, va nous griller. Ça craint. Alors j'ai quoi? D'accord, 42 sur 108 en énergie. Je vais tenter un truc, mais ça va être chaud. Ma ligne de défense, elle est redoutable. Ah! Qui c'est qui essaie d'abattre mes avions de chasse?
Les gars, bougez. Les gars, bougez. Ça bouge, les gars, ça bouge. Ah, c'est violent. Il se passe des choses chez moi. Il se passe des choses aussi chez moi. Chez moi. Je vais tenter un push. Parce que là, si je fais pas de push, c'est la loose. Bon, c'est pas des moustiques qui vont m'avoir avec ma ligne de Gatling. Non, les gars, par là, voilà. La Chine va s'agrandir. Ah, récif qui fait du Apex Legend. Je parie s'il y avait peut-être quelqu'un d'un particule. J'ai pas réussi à le casser. Ah, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. On va se prendre un canon particule, toi au moins dans la gueule. Je pense que ça va être pour moi. Je pense qu'il va vraiment être pour moi. Ah, il est là. Oh, bah j'ai envoyé mon nucléaire. Tu peux. Ah oui, vas-y. Ouais, fais très vite. Parce que là, j'ai envoyé toutes mes trucs les unes après les autres. C'était une grave erreur. J'aurais dû tout balancer d'un coup. Bon, je fais un push chez le violet parce que c'est plus possible. Mon avion va arriver, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas ça. J'ai aucune idée de quand va arriver mon avion. Je vais retenter une attaque parce qu'il faut vraiment que je le fasse. J'ai pas le choix. Unité perdue. Ah merde, j'ai pas eu le temps de lancer trop de monde. Félicitations, général. Vous avez été trop non. Quelle bombe tiré. Ouais. Mais j'ai été... T'as lancé une bombe nucléaire au mauvais endroit, en fait. Si, mais j'ai pas eu le temps de tout balancer. J'ai balancé qu'un tiers de mon attaque. J'ai fait des dégâts, mais pas critique. Parce que je trouve que t'as visé à côté, en fait. Mais t'as peut-être pas pu... C'est bon, je l'ai eu. GG. Je vais continuer le push. GG. Moi, je lui ai pété. Ah, deux... on avance. Je lui ai pété deux centrales nucléaires. Les snipes, là, on a besoin de vous, les gars. On a besoin de vous, les gars. Oui, alors. Allez, les gars, on y croit. On a des petites infanteries, mais on y croit. La merde, l'artillerie, elle en met du temps. Le temps programmé, là. Bon, je lance. Là, j'ai presque atteint l'ennemi. Presque atteint, vite fait. Ah, j'ai réussi à larguer mes frag. Oui, je lui ai fait bobo à l'ennemi. Il a perdu une centrale et l'autre est gravement endommagé. Les gars, tirez, les gars. Tirez. Ça va calmer le violet un moment. Et ben, c'est bon, ça. Nous avons de grands projets. Ça y est. C'est très, très bon. Les gars, tirez. Ne restez pas plantés comme des crétins. Attention. Excellente idée, général. On se défend, c'est ça qui est bon. Ah non, je suis pas chez l'ennemi. Mais les gars, voilà, c'est bien. Nous vivrons dans la prochaine. Non, les gars, pas demi-tour. Ce sera très bon une fois fini. Alors attends, j'ai des avis, une chasse qui attendent entre guillemets bêtement. Patrouille aérienne en position.
Aïe, salopard, il m'a envoyé un avion de ligne qui a fait une très bonne frappe. Salopard. Il a réussi à me la faire à l'envers. Bon, pour le moment, j'ai perdu qu'un bulldozer, mais ça aurait pu être pire. J'ai failli perdre le chantier qui allait avec. Je bâtis l'empire du bâtisson. La machine va s'agrandir. Ah la vache, bon, je vais les attaquer. Joué. Je vais les attaquer, ça va leur faire mal. Normalement, ça va leur faire mal. Pour l'époque, l'intelligence artificielle incorporée au jeu est très bonne. Hein. Elle est bonne, mais elle est pas endurante. C'est-à-dire que quand elle a plus de thunes, c'est fini. Elle cherche pas à faire de la thune comme les humains qui font plein de dépôts de ravitaillement ou des conneries comme ça. Et du coup, bah, elle se fait avoir. Ils font plus du rush que de l'attaque sur le long terme. Ils auraient rajouté un script mis à jour ce que tu viens de dire, leur défaillance. Et ça équivaut quasiment à jouer contre des humains. Voilà. Très très bien. C'est un bon choix. Partissons. Pas de problème. Canon à particules détectées. Il faut qu'il répare le truc. Eh oui, répare-le. Répare-le. Allez les gars, avancez là. Contrôle 2. Vous voulez pas avancer, ok. C'est bon, je leur fais mal. Machine basse à grandir. Moi de mon côté, je vais prendre autre chose. Alors, je peux voir un embarquement. Dans ces mots, ou une stack sur la gueule. Pourquoi je vois les turquoises attaquer les mots? Ils sont ensemble. C'est moi la turquoise. Ah, c'est quoi? C'est moi qui attaque les... D'accord. Tiens, je vais leur niquer ça. Oh, bien, tu es efficace. Ah oui, bah, je suis... Oh, là, c'est con les couleurs. Oh, les couleurs sont pas bons. D'accord, tu parles, mais tu es con. Pour le faire, mais ça va, je lui fais très mal. Mais alors? Mais aide le dernier coup! Et bon, le violet est mort, celui qui fait des super armes. Attention, il y a un canon bleu qui va nous faire mal. Je vais m'en occuper. Ah, t'as lancé. C'est toi qui as fait ça? Ah ouais, ok. Mais je suis déçu de l'axe d'attaque. J'aurais aimé justement à 90 degrés parce que là j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Alors que potentiellement j'aurais pu en faire beaucoup plus. Mais bon, c'est ainsi. Oui, t'es en train de mettre Satané au mauve. Bien. Bien. Nous vivrons dans la prospérité. J'ai eu une dizaine de lance-missiles. Ah, t'as mis des mines, ça c'est dommage. Comment ça, dommage? T'as mis des mines parce que ça va m'empêcher d'avancer mes unités. Ah bon? Que c'est aussi pour les alliés. Les... Si je bâche dessus, c'est... je suis mort. Ah merde! Ah ouais, elles ne me reconnaissent que moi. D'accord. Allez les gars, on y croit, on avance. Ah, ça aurait pu être programmé avec un. Non, c'est vraiment, il y a des les tirs alliés, là ça fait mal. J'en suis navré. Bon, le violet est... il est mort. Construction dans les normes. Alors, 13, 4... Je construis pour la Chine. Je perds des soldats les uns après les autres. C'est bizarre parce que là j'ai une ligne de front qui est complètement vierge et ils m'attaquent pas. Ils sont un peu cons. C'est un bon choix. Apparemment les mines, non, je dis n'importe quoi, ça m'attaque pas. Ah, bon. C'est uniquement les véhicules. D'accord. Donc je viens d'apprendre un truc. Tu me rassures. Alors
moi je voulais faire la révolution mais... voilà, du piratage satellite. Au moins que je vois où est l'ennemi, parce que j'ai des armes mais je sais pas où en faire usage. C'est malheureux, il me manque un service de renseignement. La 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 la. Attaquer là. Non, non, reculez les gars. Amélioration achevée. Ça y est, il fuit pour le camp. Il abandonne. Le violet, bon débarras. Vous êtes plus équilibré maintenant. Mm-hmm. Moi, ma défense, non, elle est parfaite. Là, pour le coup. Le bâtiment est construit. Heureusement que j'ai pris de l'infanterie. J'ai une bonne idée. Alors, je vais faire ça. Bel emplacement. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Bon voilà, suffisait de faire de l'infanterie. On pourrait gagner une fortune. Gagner une fortune. Je fais le transport. Je vais me servir de tranquille. Pour, maintenant la partie sera moins mouvementée. Mm-hmm. Que détruire le mec super arme, c'est quand même cool. Et je pense que si t'avais pas mis de la limitation d'armes, il en aurait fait au moins 3 ou 4 des canons particules. Et on aurait pris très cher. Très très cher. Cadence rapide installée. C'est toi qui tire ? Oui, oui, c'est la Chine. J'attaque le bleu là. Construction dans les normes. Je suis muse à attaquer le bleu. Unité perdue. Alerte. Canon à particules détectées. M'en occupe. J'en fais mon affaire. Ok. Je vais y aller directement avec mes infanteries. Il va battre tous les snipers. La défense aérienne qui a tardé à réagir. Les gars, tirez. Je m'occupe, mais je vais être obligé de m'en occuper pour envoyer Ariane. Mmh. Ouais, il va falloir que je fasse une attaque aérienne. Il y avait plein d'hélicos. Mmh. C'est bon, j'envoie les 8 raptors dessus. Ils sont morts. Avant de grands projets. Alors, mon énergie 60 sur 108. Je peux m'amuser à faire les taux Gatling comme des petits pains. Ah, on construit une aïonnée. Je viens de construire une défense. Oh mon dieu. Moi, je veux construire une défense. C'est bon, Jésus. Oh, yé yé. Ils attaqueront pas. Yé. Je vais faire un autre pont de ravitaillement. Bah regarde, quand tu regardes ma base, là où il y a les ponts de ravitaillement, il y a plein de caisses qui sont à côté. Ah. Bien joué. Il est large comme une andouille. Il est large comme une andouille. N'importe comment. Comme t'expliquer, ils n'ont pas fait l'entraînement de jeux vidéo pour bien cibler. T'es trop... Oh mon dieu. Oh, le défi du 14 juillet chez toi, ça vaut le coup. J'ai besoin de thunes. Nous vivrons dans la prospérité. Non, je vais pas avancer tout de suite, j'ai déjà fait une offense assez puissante. Hein. J'ai débarrassé d'un ennemi avec rien que des roquettes et des snipers. Ouais, l'offensive. J'ai la thune. La thune ne rentre pas. Zut, zut, zut. Moi, je suis indépendant financièrement. Je reviens dans deux petites minutes. Je pense que tu peux te débrouiller et mes soldats seront autonomes. A tout de suite. Alors lui, vous voyez, il a un super grade. Il a 6 échelons.
Si vous avez le coup d'œil, on voyait une superposition de grades. C'est rigolo. Fui, je crois que je peux gérer tout seul, surtout qu'il n'y a pas de super arme en jeu, donc c'est plutôt... bon, c'est pas les vacances, hein, mais... Ah mon dieu! De l'intérêt de réquisitionner le centre de la carte. Ah non, j'ai perdu un avion de chasse. Faut que j'en reconstruise un. On voit le rideau du hangar qui est fermé. C'est un avion qui n'est plus. Sniff. Me revoilà. J'ai perdu un avion lyonnais. Ils vont le payer très cher. Ils vont payer leur arrogance. C'est ça. Unité perdue. Ouais, ils construisent un canon à ions. Hein. Ouais, mais il y a ce qu'il faut. Je leur enverrai un petit bombardier. Dans la fin du décompte pour envoyer les avions. Moi, je regarde s'ils ont concentré leur... Ça va, ils ont dispersé leur centrale, ce qui est plutôt malin. Parce que c'est tout bon d'attaquer canon un, à particules détectées. Ouh, deux canons à particules. Yep. Alors, je vais commencer par attaquer... Le canon particule qu'ils ont construit. Ouais, moi j'attaque leur centrale nucléaire, histoire qu'ils se retrouvent à poil. Bah, c'était le même, je crois que j'en avais deux. Un lâche de pierre. Oh, ces sons, je croirais, dans Tropico, là, avec les mouettes. Je vole pour la Chine. Oui, tu voles pour la Chine. Nous défendrons ce secteur aérien. Nous vivrons dans la prospérité. Voyons voir ça. Bon, je vais faire une petite introduction chez l'ennemi. La prospérité de la Chine déglinguée. Unité perdue. Comment ça? Oh, il n'a même pas l'arc d'une bombe. Bon, bah, ils ont une bonne défense aérienne. Med. J'étais trop ambitieux. Ah, mais il y a plein d'unités, ça rame. Ce jeu mal optimisé. Allez, une petite introduction chez l'ennemi. Ouais, je réfléchis. Les MiG, bombe atomique tactique. Le bâtiment est construit. Zéro thune. Unité perdue. Ah merde. Ah ouais, ils ont une très bonne défense aérienne. Ah merde. Je me suis fait avoir comme un bleu. A envoyé des armées chez lui. Assaut aérien neutralisé. Je l'ai même pas touché de bombe. Il m'a zigouillé. Très bien, il se défend. Très équilibré comme bataille, j'aime bien. Oh là, j'ai perdu mon infanterie. Il a pris des snipes aussi. Oh. Vite les gars, vite. Trouvez-le. Bon, il a... Alors, chez le Nayonnais en guerre, on peut observer au début du printemps la transhumance massive des troupes. Qui cherche l'herbe verte plus verte ailleurs. Amélioration achevée. Ouais, mes avions de chasse tirent des bombinettes atomiques. Pardon. Excusez-moi, ça me poussait. Oui, faut pas pousser. Attends, mais j'en ai... Ah non, j'en ai perdu qu'un seul. Ouf. Mais comment ils font pour m'abattre des avions de chasse? Ils y arrivent quand même. Hein. Attends, il y a tellement d'explosions que j'arrive même pas à identifier la cible. Parce que j'ai de la thune pour augmenter la bombe massive. Ouais. Ah,
ils ont ça, eux. Il faut que je zigouille ça. Voilà, avec l'infanterie, enfin l'artillerie. Ah, mais quand le snipe tire, on voit pas où il tire. C'est vache, ça. Quand il tire son coup, on devrait voir où il est. Mon dieu, excusez-moi, c'est oui, c'est noir. Oui, non, mais bon. Tu ne pouvais rien, c'est moi qui ai toujours l'esprit mal placé. Dès qu'il peut y avoir une interprétation salace, je la fais automatiquement, donc tu peux rien. Non, mais c'est rigolo. Oui, heureusement. Ah, c'est assez puissant, les tirs d'artillerie sont trop légers. J'ai remis sur de l'artillerie plus violente. Merde. Alerte. Canon à particules détectées. On aura la victoire qu'à 13h30, hein, pas avant. On en a encore pour 45 minutes à galérer. Là, ça va le faire. On arrive à gagner le bras de fer, mais... Non. Oh, le bras de fer, il est en notre faveur. Ouais. Mais c'est pas vrai, il m'a encore zigouillé un avion de chasse. Oh, unité perdue. Je suis sanglé, pareil. Félicitations, général. Zigouille des avions de chasse, promenu. Ça l'a pas. C'est un chien. Patrouille aérienne en cours. Oui, alors j'avais dit que je... Ah, je peux faire ça. Alors attends, je vais faire ça. Chasseur tactique, on va pas. Je vais prendre le risque de faire dans tout air. Là, franchement, tranquille. Attention mes troupes. Ouais. Je recule un peu, tu attaques quoi? Alors là, ta ligne de front effectivement. D'abord une bombe anti-électrique, là, les IEM. Et ensuite j'aurai une vraie attaque de feu du ciel. Donc attention. Attends que mes deux avions soient passés. Je vais lancer une attaque. Ah tu vas faire pareil. Oh merde, il est mort ton truc. Effectivement, il n'y aura pas la neutralisation électrique, dommage. Putain, je pensais que les défenses étaient bien, mais non. Bah, les lasers, ça fait mal, hein. Mmh. Ah, c'est mes navires. Ah, ça, c'est mon bateau. Bon, bah, c'est là, bien. C'est moi qui ai largué. C'est un navire américain. C'est très bien coordonné. Là, pour le coup, très très bien. Unité perdue. Vas-y, tu peux reprendre ton... J'ai plus rien, moi. L'assaut. Ouais. Mais t'as pas le missile nucléaire. Tu peux reprendre ton offensive. J'avais encore perdu un... Ah mais ça me bouffe, ils arrivent à m'abattre des avions de chasse. Ah, ça du goût d'ennemi, hein, ils se défendent très bien. Ils maintiennent la pression. Bel emplacement. C'est pas une mousse à boire. Ah, tiens, bonne idée de Moumousse. T'as pas, je pourrais me savourer une mousse pour fêter le jour férié. Ah, je me prendrais sûrement une Guinness. J'ai envie de boire une mousse amère. Enfin, ce sera tout à l'heure. Tu seras tout à l'heure. D'ailleurs, je ne bois pas assez. Il va falloir je demande que je de boire. La fête. Oui. Est-ce qu'on peut choisir le type de boisson? Oui, sirop de fraise. C'est moi qui choisis. Ah. Non mais j'ai plus de café au lait de toute façon, donc j'ai pas vraiment le choix. Le bâtiment est construit. Ah, le bleu est en train de m'attaquer. Je crois que c'est l'armée de l'air. Du coup, tu sais que l'armée de l'air américaine est forte contre tes... Ah non, c'est pareil, parce que ça y est, il a abandonné le sien. Oh. Ah oui. Bon bah si tu veux lancer une offensive, vas-y. Te gêne pas. Mmh.
je vais essayer de larguer des mines. Ça va permettre d'éprouver sa défense aérienne. Nous avons de grands projets. Observons. Excellente idée, général. Je vais faire un truc. Je vais tenter ça. Normalement, ils passeront plus. Je bloque le ciel aérien, les attaques aériennes. Je bloque le ciel aérien. Ouais. Ouais. Je bloque. Comment je vais faire? Ah oui, elle est pas bonne sa défense aérienne. J'ai pu larguer mon truc. Et mon avion est faiblement endommagé. Là, ils vont au-dessus. Bah oui. Donc, du coup, c'est tout bénef pour moi. Ah oui, il a des commandes furtifs, le salopard. Regarde. Ouais, je vois, je vois. Amélioration achevée. Missile nucléaire paré au lancement. Ouais. Ah, mais bug, j'ai tout, yo. Bah tiens, nous c'est avons lancé notre missile nucléaire. Attaque nucléaire, ils vont être soufflés. Observons. C'est beau. Magnifique, regardez-moi ça. Là, on a fait très mal. Là. En 5 secondes, on lui a fait très mal. Oh, les pertes lourdes. Il est dans la merde, l'ennemi. Donc, il y a des avions qui sont en protection entre toi et l'ennemi. GG. Donc, s'ils arrivent avec des avions qui font tout droit chez toi, ils se font intercepter par mes avions. Donc ils ont perdu leur centre de commandement. Allez, boum, dans la gueule. C'est ça. Non, finalement, non, on va finir à 13h. Oui. Je disais que le bras de fer était gagné. Il s'essouffle à la fin, le joueur IA. C'est bon. J'ai vu ça, il a giclé, ouais. La méchance qui a giclé. Il pourra jamais se faire atteindre par les missiles. Ah si, c'est bon. Quand on envoie un sacré paquet, quand même, ils finissent par sceller. Bon bah c'est gagné. Bon, il n'y a plus d'aéroport, hein. Hop là. Oh, c'est tout cramoisi sur le sol. Oui, oui, oui. Bon, allez, hop, c'est gagné. C'est plié. On a gagné. Plein de GG. Alors là, tu vois, je vais avoir grand plaisir à sauvegarder la rédine. C'est bon, on a gagné. Tu vas prendre l'hélicoptère dans la tronche. Ah non, ça fait pas de dégâts. Bon, bah, quand ils ont fait les patchs Gen Tool, là, ça, ils ont fait des améliorations aussi. On a gagné. Et ça n'a pas déconnecté. Ça n'a pas déconnecté. Wallonné. Ouais. Bien joué. Bien joué, bravo. Oui. Bon travail d'équipe. Tiens, je vais l'appeler exprès Pac. C'était tellement beau. Ah merde, lui il aime pas le A avec accent. Oui, il mettait un 6 à la place de. Oula, je sais plus que le français. Pacieus. Pacieus 2024. Wallonné. Yeah, bon. Bien joué Nayone, mais si c'était bien. Ça a marché. C'était content. Bien, on a gagné. Bon, je vais dire. GG de Lorraine, oui merci. Tu as raison, Castella. Oh ouais. L'autre. Cette violence.
J'ai pas... J'ai entendu un... un pas dans la gueule. Ah, je me déconnecte de Game Ranger. Je fais mon vilain. Là, le vilain affronte Jojo. Non ? Non, ah, je sais pas. Bah oui, offline. Oh mon dieu, il en a mis du temps. Oui, on va se mettre les clips au hasard. Moi, je vais vous dire bon appétit, je vais aller faire mon miam. Pareil. Oui, à tout à l'heure. Pareil. Mickey, c'est où les clips oh là, je sais plus. Je finis par avoir tellement de scènes OBS, moi, pour tout et n'importe quoi. Sans déconner, là, je jongle avec une douzaine déjà de scènes OBS. Une douzaine. Oh, message de Torota 77. Sachant que vous étiez les... deux à jouer, à du plus coup, les joueurs de chez Le Sage, back. Les spectateurs et... Bon appétit à vous et à bientôt. Le Sage, je le repasserai sûrement cet après-midi. Oui, avec s'il y a un autre jeu qui se fait.